Merci d'être à l'écoute de Radio Pacifique. Bienvenue dans Pacifique Matin. Nous sommes le jeudi 3 septembre 2020. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Bonjour Jacques. Bonjour tout le monde. Bonjour Moïse. Bonjour Nagé. Bonjour tout le monde. Bonjour toi Olivier. Bonjour à toutes et à tous. À la une de l'actualité haïtienne, eh bien, situation de tension hier encore après-midi. C'était hier, on était mercredi 2 septembre après-midi. Les habitants de Bel Air ont encore vécu une situation difficile. Plusieurs maisons ont été incendié selon les informations. Tout de suite, nous allons avoir, et tout à l'heure, on va avoir le porte-parole de la police nationale d'Haïti sur ces faits. Et les avocats marcheront ce jeudi 3 septembre dans les rues de la capitale haïtienne pour réclamer justice en faveur de leurs bâtonniers sauvagement abattus vendredi et dernier. La marche partira de la rue Rivière où se trouve le cabinet de la victime à compter de 9h du matin. L'administration Moïse Jota a mis fin de manière anticipée à l'exercice fiscal 2019-2020. Un arrêté a été publié à cet effet au journal Le Moniteur le lundi 31 août. Et les responsables de l'inspection générale de la police nationale ont annoncé le mercredi 2 septembre la révocation du porte-parole du syndicat de la police nationale d'Haïti, Abelson Gournègre, au sein de l'institution policière. Et nous parlerons aussi des Haïtiens voulant travailler en République dominicaine qui doivent être munis désormais
d'un permis. C'est ce qu'a déclaré le président Luis Abinader Corona le mardi 1er septembre 2020. Et cette décision contribuera à normaliser les relations entre les deux pays, a enrichi le chef d'État dominicain. Et dans le billet de Jacques ce matin, crise haïtienne, l'audace de l'espoir. Voilà pour le menu de cette édition. Restez avec nous, on vous revient dans un instant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue mesdames et messieurs au développement de cette édition, une édition qui entre chez vous grâce au support de toute l'équipe rédaction. Mario Sylvain, Inoclès Debréus, réalisation Olivier Bouchereau, micro Jacques Amboise, Maurice Saint-Éloi et Jean Fouchard d'Angers. Monsieur, comment allez-vous? En forme. Bon oui, en forme Jacques. Donc nous là, et nous vivons comment ça a déroulé dans le pays, parce que et de jour en jour, nous avons posé peut-être une question et qui côté que nous pourrions aller par rapport à tout ça qui a passé dans le pays de jour en jour. Mais nous avons still été confiants, espérant que demain a plus bon et tout poser des actions pour que nous sommes capables de joindre demain qui est meilleur, non seulement pour nous-mêmes, mais tout pour la génération qui a venu. Parce que le pays, c'était nous tous liés et nous tous avons le droit pour nous vivre, même Jean Ladon, tant que nous. Bon, oui. Tu as vu ou bien vu on a vu. Parce que. Et puis souffle-nous là. Non, mon cher. Faut pas dire. Faut voir quelque chose. Et c'est ça qui fait que nous ne faisons pas rien. Ou du moins, nous manquons pour une décision pour permettre nous vivons l'autre genre. Parce que il y a des exigences citoyens pour qui font. C'est citoyens pour qui disent que le pape continuer dans situation comme ça. C'est citoyen pour qui dit que il forcer autorité pour prendre des décisions. Par exemple, ou nous gain ça dans journal là ou pas loi que il y a un bail qui pose problème tout le temps en République dominicaine où le président a dit c'est-à-dire les haïtiens qui travaillent là-bas faut que gagnent pas de travail. Oui. Tant que ça fait dans tout l'autre pays, normalement, il faut qu'on ait un papier de travail. C'est-à-dire, nous-mêmes, en Haïti, et
Bon, nous n'avons pas gagné. Combien de monde qui a travaillé? Non, ça va parler des Haïtiens. Oui, Haïtiens. Mais en termes d'étrangers, etc. Nous, pour un pays qui a fait le travail, il fait un temps qu'on a fait le travail, qui a fait le travail dans ce traitement. Mais quand il y a l'alba évident, il n'y a pas gagné toute quantité de monde ça, dans ce traitement. Et nous-mêmes, qu'on y a, comme citoyens, c'est qui ça nous a demandé autorité à tous les niveaux pour permettre que nous dans notre pays. En tout cas, dans le pays, c'est rentrer en contact avec le porte-parole de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Lujeune, qui ont été difficile pour nous ce matin. Par téléphone, mais il faut que nous dit et par rapport avec la situation, lui-même lui présenté là. Et matin là, on a essayé de regarder pour nous comment on est capable de joindre des informations. Et ça, sous situation qui arrivait bien hier, et bien côté que un peu le monde était obligé courir, quitter Caillou par rapport avec même question attaque qui continuait. En fait, depuis lundi après-midi, sous et m'est capable de dire monde qui vivent dans le quartier et Bel Air, Delmar 6, Ruyel Maya. Eh bien, Mounsao qui a connu une situation compliquée, difficile, plusieurs maisons incendiées. Matin, entendez votre parole, la police a qui fait qu'on a gagné plusieurs cailles qui boulaient, gagné plusieurs mounes qui blessés et par balle. Une situation qui est vraiment, vraiment et difficile et n'a suivre pour nous capables de garder et comment la situation ça a lui-même, lui a évolué dans le pays et Moïse et une situation lui-même. Li est présenté là et nous pralé nous espérer que tout à l'heure n'a pas arrivé. Jeune Michel-Ange Jeune pour nous un plus détail sous question ça et puis et n'a prêté dans même chapitre qui vient pour avec question la police à Jacques Amboise, la police c'est avec agent douanier ou dans douane Saint-Marc rivé mettez main sous une nouvelle cargaison d'armes d'après Saoudi qui t'a gagné plusieurs fusils d'assaut là-dedans. Ça c'est un point que n'a bien pour nous parler matin avec porte-parole la police nationale d'Haïti. Oui, c'est bon, son bon coup et d'après ça et nous capables et la police qui avait mis main sous cargaison ça ou Jean. Oui, son bon coup mais c'est inquiétant hein, pour chaque semaine on a des cargaisons d'armes. Oui. Saisi. Et organisation doit nous parler de ça en pile semaine ça là. Yeah, ça veut dire que pays a gagné trop d'armes là-dedans. Et c'est ça qui crée gros climat et de tension et de peur et à travers le pays. Par exemple, et Moïse est danger. Et la Tibonite, et M. Savien, il y a plus que 2 ans, hein? Oui. Depuis que, comme c'est pour passer, et mon gars, pas le gros naïf, et Caprale, de gros naïf jusqu'à tout reste. Là. Et l'un des tout reste, tout le monde, etc. Yeah, ou Cap, etc. C'est l'offre de passer ça à vie, on connaît que ou bon, oui. Alors que, et ou dans de toutes âmes, ça ou apprendre, et n'importe quoi, ma temps en temps dans nos carisons, ou par contre, ça ou pas junior. Là, c'est inquiétant. Oui. Et il y a un ensemble contre la corruption qui est sorti en note de presse jeudi, qui a passé, en fait, hier, et qui était mercredi. Puis on a essayé de faire et tout le monde comprendre qui ça qui la cause d'insécurité ça dans le pays. D'après ça, il fait connaître qu'il y a un pile cargaison d'armes qui a entré dans le pays et la police pas mettre un contrôle ensemble de concert avec la douane pour essayer de contrôler les armes qui a entré dans le pays. Et il y a une bagarre qui a dénoncé Jacques, c'est que il dit qu'il y a n'importe citoyen qui a des armes dans le mail, n'importe jeune qui a des armes dans le mail, sans ou pas qu'on écoute les armes dans ce type, qui papier le gain, qui doit rien pour circuler avec elle. Et c'est une bagarre qui a créé insécurité ça qui gagne dans le pays. Parce que trop d'armes a entré sans contrôle et la cause que gagne plus de monde qui est en danger. La vie plus monde en danger de jour en jour dans le pays. Ça veut dire qu'ils sont gros business ici et tout. Oui, ils sont gros business. Business armes, c'est qui est ce qu'ils font. Et laisse à les armes dans la vie, ils achètent. Et c'est rationner à balancer les monde. Et c'est insécurité qui a créé plus. Ça veut dire l'État a un pile travail, l'autorité a un pile travail pour faire dans la question contrôle les armes à feu qui gagnent. Bon, oui, et espérant que le travail ça va le faire pour le mieux ou bien pour la paix de la population parce que
dans Jean bagaille pour aller là condition sécurité ça gain urgence il y a vraiment urgence il faut gagner des mesures urgentes qui prend pour permettre que nous-mêmes haïtiens surtout monde qui vivent dans zone métropolitaine Port-au-Prince n'a parlé de centre-ville de Delma de Pétionville mais tout de Gérald Bata ou bien route de l'aéroport qui dans environ ça pour capable vivre avec yon la paix et pendant jou sa yo et espérant que tout te gen CSPN qui te fait te gen tout et réunion ensemble avec et commissaire gouvernement chef police nationale ministre justice en pile nous espérer que pral gen des mesures qui prend en façon pour capable permettre que ça les mêmes li fait pendant n'a parler de questions justice et sécurité il faut dire que les assassins du bâtonnier étaient revenus sur les lieux du crime pour y souiller, brouiller davantage les pistes devant conduire à une enquête sérieuse. Selon le chef du parquet de Port-au-Prince, ils ont même emporté le bâton du bâtonnier, symbole de l'autorité du bâtonnier. Le commissaire AI du gouvernement a indiqué que les policiers qui étaient placés à la surveillance des lieux du crime ont été auditionnés à la direction centrale de la police judiciaire des CPJ. Les propos de maître Gabriel Ducarmel recueillis par Wisley Bernard Jean-Baptiste et Joseph-Philippe François. Verbal de constat dressé. La police scientifique des présents nous fait des prélèvements et nous fait promettre de retourner sur les lieux pour un examen beaucoup plus approfondi de la scène du crime. Et comme de fait, hier, nous sommes retournés avec la police scientifique accompagnée du juge de paix, du médecin légiste. Donc, l'un arrivé sur les lieux, nous, il faut nous dire que bon point fixe que nous était placé devant la résidence du bâtonnier en vue de sécuriser et de préserver la scène du crime. Donc malheureusement nous voyons que il y a 4 bas de fer qui t'a scié et pour le moment une enquête qui est en cours puisque il y a des policiers qui ont été placés là et si t'as un incident comme ça qui produit, donc il y a des explications pour vous donner. Et nous croyons que le bâton du bâtonnier a été emporté. Bon, bâton a une valeur purement symbolique. Et, c'est-à-dire que le bâton n'a pas de prix, le bâton Saint-Nicolas. Donc nous parlons, nous déduit que il a été emporté puisque dans le procès verbal de constat que nous avons dressé dans le cabinet de Dorval, nous pas retrouver bâton. Et bâton, le bâton doit se trouver là où se trouve le bâtonnier. Donc voilà pour les déclarations de maître Gabriel Ducarmel qui est commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Nous déjà dans l'aria et Jacques Danger, nous déjà dans l'aria, nous Pétionville ensemble avec les amis et téléspectateurs de télévision Pacifique, c'est une façon pour nous capable permettre que on ait l'idée sur comment la IA lui-même lever particulièrement dans une petite ville que nous est là n'a descendre sous Boudon pour nous permettre que mon yo même yo capable voir qui j'en circulation lui-même lié qui côté qui gagne des barrages et qui côté qui pas gagné qui côté que capable passer si toutefois tu avais rendu au niveau de centre-ville mais tu es capable passer là pour aller sur route Delma ensemble avec nous pendant que nous-mêmes dans micro on a continué informer de ça qui a passé dans actualité haïtienne. Donc toujours dans dossier ça faut nous souligner que maître Ducarmel dénonce une attaque perpétrée à son encontre alors qu'il était sur la route de Pèlerin. L'un des agents responsables de sa sécurité a été blessé par balle au niveau de sa main droite. Le commissaire affirme qu'il ne se laissera pas intimider. Et par ailleurs, les initiatives pour honorer la mémoire du professeur de droit constitutionnel et réclamer justice se multiplient sous l'instigation du Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince et suivant une résolution de la Fédération des barreaux d'Haïti.
Une marche pacifique sera organisée ce jeudi 3 septembre à compter de 9h du matin. Cette marche démarrera au local du cabinet d'Orval à la rue Rivière. Appuyant cette marche de protestation, Maître Myriam Magloire, membre du barreau de Petit-Goave, dit vouloir que toute la lumière soit faite sur ce dossier en déterminant les auteurs et co-auteurs et complices de cette attaque. Voilà pour concernant les avocats qui continuent à se mobiliser pour réclamer justice pour le bâtonnier Maître Montferrier d'Orval, assassiné chez lui vendredi dernier. Nous parlerons aussi de cette attaque, de cet assassinat. Le secrétaire exécutif de l'ensemble contre la corruption met à la solde de l'exécutif l'assassinat crapuleux du bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince, Maître Montferrier d'Orval, le 28 août dernier. Selon M. Poultre, cet acte est le résultat du laxisme et de l'incompétence du pouvoir en place, incapable de garantir la sécurité des Haïtiens. Le responsable de l'ECC déplore le fait qu'aucun contrôle n'a été exercé au niveau des espaces frontaliers du pays par les autorités en vue de stopper le trafic d'armes et des munitions. Edouard Paul Tromicodou et Guernel. Le déplorer exécution nous fait sur Maître Montferrier d'Orval. C'est son digne fils du pays et bien préparé, bien formé. Et puis qui est convictionné et qui représentait et tout avocat dans le pays. Il semblait donc que le gouvernement complètement incompétent dans la question de sécurité et mettait et Céline Gain contrôle pour le faire sous les armes qui ont entré dans le pays, sous les munitions qui ont entré dans le pays, la douane livrée. Nous faisons ça au pipito là dans li. Donc, ça qui nous vient, c'est vraiment une conséquence dans laxisme de la part du pouvoir exécutif. Mais ce n'est pas laxiste seulement, c'est même intentionnel parce que l'idée qui cachait des systèmes de gouvernance, c'est le carreau que yo établi en d'un pays jusqu'à présent. Arnel Joseph que yo arrêté depuis plusieurs mois jusqu'à présent et libre jugé, personne ne va connaître qui est-ce qui campe jugement, qui est-ce qui campe dossier, mais jusqu'à présent Arnel Joseph rete nan men moun yo, personne ne va connaître qu'il est justice apprenant à tout acte criminel que Arnel Joseph posé en d'un pays. Louis-Edouard Poutre a mis l'accent sur la nécessité de doter la police nationale de moyens adéquats en vue de contrecarrer les actions des malfrats. La PNH, avec les nombreuses faiblesses qu'elle renferme, ne peut pas garantir la sécurité de la population, de la vie de M. Poutre. On l'écoute. Mobilisation, la police là démotivée, ils ont déstabilisé lui et bon directeur dans tête la police là, son directeur a irrégulier et n'importe qui leur cas et retirer le mettons l'autre monde. Donc l'institution policière li ouais souvent dans la rue, son seul barrière à faire c'est contrôler papier machine, mais maintien d'ordre là pas non mais vous comprenez, garder ça qui passait bel air avant hier et tout près par les nationales, tout près UDMO, tout près le ministère de l'Intérieur, tout près la Cour de cassation, regardez ça qui passe. Et un certain nombre de monde et qui lié avec le pouvoir et puis qui quittait sa fête. Ou reprendre Jean fait là, Jean passé à, et puis surtout la police, pas d'intervention pour le faire. Parce que ce sont des ayants droit et c'est climat ça que Gangyo a installé et de plus en plus dans le pays. La déclaration de Edouard Poultre, qui estime par ailleurs que la montée de l'insécurité est due à un plan bien défini du pouvoir en vue de gagner les prochaines élections. Il indique que le pouvoir veut créer un climat d'instabilité dans tous les domaines de la société pour empêcher l'organisation saine d'élections dans le pays. Il profite pour questionner le dossier du chef de gang Arnaud Joseph, dont aucun suivi n'est fait sur son dossier à ce jour. Edouard Poultre. Pouvoir pas même comprendre que premier missionnaire, c'est la garantie l'ordre,
garantir la sécurité de la population. Il ne pas comprendre ça. C'est peut-être ça qui était gang à multiplier. Et je dis, il y a besoin de faire élection avec les gangs. Avec des gangs armés, qui s'apprend le gagner? On va le gagner des élections qui truquaient, on va le gagner des élections avec un faible taux de participation. Vous comprenez? Songez, ça qui est arrivé, président Aristide, en l'an 2000, il a fait élection. Il fait élection en décembre 1999, ou bien 2000, en décembre 2000, qui élection fait? Et bien, participation pratiquement moins que 5%. Donc, c'est ces élections, ça, que le pouvoir a besoin de préparer. Ou reprendre qui fait que les multiplier gagne, l'équité a fonctionné pour que justement citoyens pas sortir à côté, monde qui pourtant fait campagne pas qu'à faire campagne, donc son gros problème et pouvoir pas douter fort que le gagne levier non Belgique pour redresser situation ça. Voilà pour les déclarations de Edouard Poultre qui est secrétaire exécutif de l'ensemble contre la corruption. À présent, nous allons parler éducation. Des responsables des syndicats d'enseignants ont organisé un sitting devant le local de la Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince mercredi en vue de dénoncer l'assassinat de Maître Montferrier Dorval et réclamer justice pour le défunt. Magali Georges et Patrick Célestin demandent aux autorités judiciaires d'accélérer la procédure d'enquête en vue de mettre hors d'état de nuire les auteurs de cet acte barbare. Ils sont au micro de Rigarnel. Nous devons accuser Edouard, c'est pour dire non à la dictature, à vote. Et puis non à toute répression, à tout crime qu'a fait dans tout le pays. Parce que il va accepter, il va accepter cette cadence en pleine mobilisation. Nous perdons du professeur Dumas. Maintenant, on va être quand même un professeur d'université, un professeur d'université. Et nous avons toute répression qu'a fait sur élève, sur professeur de l'école. Donc nous là, pour dire non à la dictature, pas aucun monde. On est rapide comme la cibobo là. Parce que ces gens ont perdu tant avec les forces. Nous n'avons pas époque, aucun cibobo va venir comme là. Et nous là, pour dire à nos organes, nous ne pouvons pas faire un cibobo dans le fond. Nous voulons pour une bataille. Nous voulons pour une bataille. Et 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 nous voulons pour une bataille. Pour dire dernier point à tourner. Quel que soit mort, à payer. Traiter avec de l'oscope. Donc, il y a l'éducation des problèmes qui nous ont fait hier, paquet. Nous ne pouvons pas faire du cachement. Moi-même, en tant que syndicaliste, je ne sais pas si je vais faire une bataille. Mais je vous dis à bataille aller au-delà de l'éducation. Face avec tant de criminalité qui nous ont fait là, nous ne pouvons pas résoudre la bataille à ce point avec notre éducation. Ça va aller plus loin. Pensez, c'est tout force vive, même les étudiants, les professeurs, les policiers. Tout le monde dit à la qui étudie, qui révolte, face avec l'équipe de chefs SAO, nos crimes d'État, nos l'État, mafia, je dis à la, qui a tous mis ce peuple là, parce que la terre, c'est là nous parler, je dis à la. Voilà pour les déclarations de Magali Georges et Patrick Célestin, deux responsables de syndicats d'enseignants. Et qui, hier, dressait un sitting devant le local de la Faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Nous, toujours dans la rue ensemble et avec vous pour nous permettre qu'on vive comment ça allait même lier là, nous, au niveau de Delma 40B, Delma 49, une intersection que nous connaissons qui souvent gagne blocus les matins, surtout dans le Sahara, c'est le pile monde pral. Et rentrer dans le travail, mais tout en pile écolière qui écolière, praler l'école, ça qui mettait blocus dans la rue. Alors nous allons tenter d'entrer en contact avec notre collaborateur Yvener Silafano pour nous capables d'avoir une idée de comment ça allait même l'étayer. Et dans centre-ville là, par rapport avec l'insécurité que nous connaissons qui gagnait en bas au cours de semaine. Ça y est, nous avons continué avec l'information et nous avons toujours invité à regarder comment ça allait même lié au niveau de la rue. Le porte-parole du syndicat de la police nationale d'Haïti, Abelson Gonègue, a été révoqué de l'institution selon l'inspection générale de la police nationale. Après avoir servi l'institution pendant une dizaine d'années, Abelson Gonègue est mis de côté en raison de mauvais comportements selon les dires de Marie-Michel Verrier.
porte-parole adjointe de l'IGPNH. Fenêtre économie, le gouvernement clôture de manière anticipée l'année fiscale 2019-2020 à travers un arrêté publié le 31 août au journal officiel du pays Le Moniteur. En effet, 4 septembre est la date limite fixée par le ministre de l'économie et des finances, Michel-Patrick Boisvert, pour les engagements des entités administratives de premier et de second rang de l'administration publique. Peut-on lire dans cet arrêté, cette décision est prise conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi du 4 mai 2016 accordant libre cours au ministre des Finances de fixer par arrêté la date de clôture anticipée des engagements de l'exercice fiscal. Voilà pour ce chapitre d'économie. À ce journal. Le président de la République dominicaine, comme nous l'avions dit tantôt, Luis Abinader Corona, a déclaré que les Haïtiens qui veulent travailler dans son pays doivent être un Haïtien qui veut travailler dans ce pays, à savoir la République dominicaine, doit être muni d'un permis délivré à cet effet. Le document doit avoir une durée, selon le chef de l'État dominicain qui était interviewé par la chaîne américaine CNN. Par cette décision, Luis Abinader Corona dit vouloir normaliser les relations entre les deux pays qui partagent la même île. Voilà ce que nous pouvons apprendre de cette information. Donc, continuez ensemble avec vous sur route Delma pour nous permettre que vous suivez comment ça allait même là au niveau de Delma 41. Non, pas trop loin au niveau de Delma 32 qui lui-même là nous gagne avec nous et Yvener Silafano qui c'est un collaborateur non qui lui-même toujours à garder pour nous ou bien chercher information pour nous dans ça qui a passé au niveau de centre-ville là mais plus particulièrement dans Balelma. Et Yvener Silafano, bonjour et bienvenue sur Radio Pacifique Matin, nous content gagnons. Bonjour Moïse, bonjour Danger Jacques, bonjour Olivier, bonjour tout le monde, je vous laisse parler. Oui, et Fano, qui est capable de dire non sur ça qui était passé hier après-midi et au niveau de Badelma particulièrement, mais tout dans le quartier et Bel Air par rapport avec tension que nous connaissons qui était gagné. Il était 9h44 et hier soir, dès que nous sommes arrivés sous Bel Air, eh bien, une dalle fournie chez nous. Et garder pour nous dire comment ça y est, ce qui s'est passé, et dans ce sens-là, bien, vraiment, l'intégrité, il était fait un bon campé, et le niveau où des fonds forts, lui-même qui est tout premier l'air, c'est même le même, lui-même les plus bas, c'est un bloc, l'église de Dieu, c'est une patte capable pour chier, et en l'air, et n'a pas tombé l'air. Ce que tu gagnes, et en pile tiré, même dans des fonds forts là, maintenant, et où mon talent, même bon, les sépétions, on peut être capable de pocher vraiment, on peut être un bus, on peut être un grand hôtel, venir comme ça, et on peut être capable de faire un bon bout de temps. Mais c'est un peu mon nom, puis même qui t'a passé, à l'honneur, ça t'a crié, ça parle de la famille, ou bien peut-être qu'on a le problème, quand il est boulé, il a crié, il a descendu, on s'est regardé sur lui, il n'a pas soupé à rien, il a pris protection, chanas, et bien, il a pris un bon bout de temps. Et je me suis consacré sur la fonte campée, je me suis approché, je me suis arrivé dans la tombe. L'homme est arrivé, et l'école là, qui est bon, quand on est dans l'école d'État, l'école nationale, et tu vas s'estimer, l'homme est arrivé là, de constater une flamme du feu, et même qui était gagné dans la zone belle, et notamment dans la zone qui est là, alors nous, qui est là où c'est comme. Ou Saint-Côme, là, il y a même qui n'a deux bases à ramener, là, il y a plusieurs maisons. Et même qui est senti dans le bloc là. Et puis, il y a eu toute tentative qui a fait pour être capable de bouler et l'église catholique Notre-Dame du bébé sur ce coup-là. Et malheureusement, il n'y a pas de guetta. Il n'y a pas de guetta. Alors, monsieur a dit de bouler, heureusement, l'église allumée, il n'y a pas de guetta. Et passé en bas, flamme du feu, monsieur. Mais quand l'école qui était boulée, mais il était impossible à soi, on était ouais, parce que non seulement on va mettre à l'abri, il y a un courrier tiré à suite, et il était un seul pot de lumière. Alors, il y a un bar pas derrière qui était dans le cafou belle là. Et après ça, toute belle est nette, tout noir. Tout noir, parce que moi, du tout, tu es ni en haut ni en bas. Il y a un policier, sur n'est pas tout, lui-même qui est recevant balle en main,
pas de la soupe à Kali, gagné un petit bébé, même qui mourit, et gagné deux le jeune garçon encore, et alors ça, et sous-genoux, ben quand il y a passé avec eux, qui est sous voie balle, une cour, une poitrine qui est perdu la vie. Alors, matin, pour qu'on ait commencé à arriver à ce type, tout est 10h53, les qui étaient belleurs, et pas d'un belleur, tout le monde était calme, mais ça travaille à vous bien, mon conseil. Ça fait et Jouma lui-même qui est chef gang Simon Siska et qui m'a mené la police et va prendre nouvelle ça on est chez Nefa Constoga et tout recommencer il faut appuyer encore et c'est pas tir tu vas aller où est un film non c'est beau rose déjà comme de lui beau rose et une belle air qui donc ça qui vient mon niveau deuxième fois encore yo et subi attaque en bas mais et l'autre et qui peut Mais Fano, est-ce que vous avez une idée de qui ça qui t'a déclenché le climat ça dans la zone ça hier? Est-ce que vous avez une idée de qui ça qui cause li? Ou bien qui ça qui t'es en face, qui est-ce qui t'es en face, qui est-ce? Est-ce que vous avez une idée de ça? Bon, on dit que l'idée de ça que c'est qu'il y a l'alvini, et la police qui a pas idée, et la police, bien monsieur, eux-mêmes. Il a parlé pour tête, il n'a pas aidé, parce qu'il n'y a pas de son père avancé seulement. Et il a dit, il n'y a pas d'approcher pour eux. Pas d'approcher vraiment idée. Mais il me connaît, il fait face à ce bel air, qui a gagné Ben 77, qui a accompagné, qui a gagné M. Lassalinio, qui est tous mes deux, qui a accompagné eux, surtout que tous mes deux, qui a accompagné eux. Et puis, en face, M. Basé, Andy Lassaline, ce matin, et on est malgré tes boules les tout tirés ils viennent pas qu'à fonctionner et plusieurs et pas de beaucoup d'almadieux à bus et Gérald Bataille bus la ville ils ont passé la camion sont passés là ils viennent pas qu'à passer l'école raison ça n'a pas qu'à fonctionner ça qui fait m'amener en bas la ville les mêmes pour aller. Ah mais Fano et merci un pile donc pour matin là essayer regarder comment et ça habiller pour matin comment mon yo lever parce que d'après ça se dit tout à l'heure un pile monde déplacé. Il était obligé de déplacer, aller sous champ de masse là, aller à l'autre point pour essayer d'éviter la pression qui est en bas. Oui, danger. Oui, et Fano, on va aller. Il y a la police qui fait connaître que blindé, que vous avez une institution, vous êtes présent et dans la zone ébilaire, ou même qui constat fait par rapport à l'information ça? Hier, il y a une batterie sur une blindé même. Il y a une batterie sur une ticket. Dans qui zone vous avez fait hier? Pardon? Dans qui zone vous avez fait hier? De Bélair, danger. Belair, premièrement, bon, c'est Pétion, je me mettre peut-être à Léon là. Okay. Ensuite, nous avons Wilder Fonfort, et puis ensuite, nous avons des César tout. Wilder César tout, il y a un Kai qui boule tout. Wilder César tout, il y a un attaque partout. Et Kai qui boule dans la zone 4. Après ça, il y a un camping de fond arrivé sous Belair. Tout le monde est à 9h30, il est à 10h53, il m'a tué son gun blindé. Bah ouais, ma rencontre est au peut-être on a été faire tout comme non bloc. Ou encore tout et gain ou encore tout il était capable dans zone Delma 6 et Ruel Maya d'après ça et responsable de la police Delma c'est pas Belair Delma c'est pas Belair Ruel Maya pas Belair Ruel Maya c'est dans routine l'autre qui était ou qui était Belair ou des routine masse ou filer pour faire où c'est matin doit faire je parle quoi qu'à foutre et ben là il va on est bon carrefour entre Ruel Maya pas Belair. Ça veut dire que selon vous-même, et venir si la Fano, incident qui passait hier après-midi, il passait ou encore hier soir, il passait uniquement dans la zone Bel Air et Delma 6 réellement à Patna dedans. Non, c'est seulement. Et alors, tu es tiré, dans Ouyel Maya. Et le caïboulé, c'est Wilder César avec Bel Air. Ben, et 4 pelouses, et merci un peu d'y si la Fanor, et n'a suivi à tout moment, nous capables de continuer à parler pour nous capables de présenter la population comment la situation est même liée. D'accord, vous parlez. Voilà, c'était venir ici là, et Fanor, et collaborateur nous qui t'a informé nous par rapport avec Jean situation.
lui-même l'y présenté dans zone Sayo et Delma 6 et Delma 2 Ruel Maya avec dans zone Bel Air qui connaît une situation qui est difficile et compliquée par rapport avec Jean en question lui-même l'y est présenté et matin là et tout à l'heure il a persisté pour joindre responsable la police mais qui semblait à faire une tournée médiatique matin. On a presque toutes médias et une bonne sécurité au moment opportun, on n'a pas gagné plus d'informations avec responsable et la police pour que nous soyons capables de continuer à informer le public pacifique. Là, entre-temps, nous, dans la rue, là, nous, dans la zone Delma, et côté que collaborateur nous, et rigueur, nous, elle, la permet à ce que nous gagnions des images pour nous soyons capables d'informer la population et pacifique, là, et les gens qui suivent la radio. À la télévision Pacifique Matin Moïse. Oui, nous sommes entre Delma 2 et puis nous avons gardé de loin et Carrefour Aviation et zone ça que nous connaissons qui ont des gens et suspects dernier temps ça à cause de climat et insécurité. Donc c'est Villeneuve, précision, c'est Villeneuve qui est dans la rue qui permet que nous vivons comment ça allait même là nous à entrer exactement en dedans et Delma 2. Pour nous permettre que, ou même, ou bien, y ait une idée par rapport à pile question que vous êtes capable de poser, c'était tout ce que Jean, l'aria lui-même, l'y levé pour matin, et nous sautons de venir, c'est la Fanor qui saute dresser tableau, et ça qui était passé hier soir, là, pour nous, au niveau de Delma 2, mais tout Delma 6, mais surtout dans le quartier et Bel Air, qui lui-même t'a gagné quelques tensions hier. Mercredi. Donc, c'est ça que nous sommes capables d'étendre avec Yvener Silafanor pendant que nous-mêmes avons continué et informé de tout ça qui est gagné au niveau de zone métropolitaine Port-au-Prince, maintenant toute actualité et économique, sociale, politique, ou capable de suivre ensemble avec nous comment ça lui-même lui a déroulé. Nous avons continué, il faut qu'on ait que c'est matin là, tout, il y a plusieurs autres structures qui décider mettre ensemble avec avocat yo et matin là pour yo capable réclamer justice pour maître Montferrier d'Oval. C'est le cas de structure n'est pas non pas dormi qui lui-même annoncé que matin là au niveau de cabinet d'Orval qui lui-même dans Ouyel Rivière yon façon pour capable mettre ensemble avec tout avocat et d'après note que fédération Baroua lui-même li mettait dehors li fait connait que c'est toute juridiction même qui matin a marché nous t'attendé et l'ordre président en fait bâtonnier l'ordre avocat Gonaivio lui-même qui a annoncé que matin là il a pas marché gagné Miragouane qui a marché gagné plusieurs lots et en fait barreau merci Jacques en plus l'autre barreau qui au même a marché matin là pour réclamer et justice dans toute juridiction dans pays pour réclamer justice pour maître Montferrier d'Orval et nous même radio et télévision Pacifique n'a sur les lieux pour nous permettre que ou capable gagner comment gagner une idée de comment marché lui-même yo a déroulé matin pour réclamer justice pour maître Montferrier d'Orval que nous connaît que bandit que monde pas arrivé identifié assassiné jour qui était vendredi 28 d'août passé. Dans actualité a gain question élection tout qui a parlé d'après en pile analyse élection d'après ça a lui-même été écrit président république là c'est que l'état supposé et organiser élection au plus tard dans jour qu'a vini là yo au plus tard janvier 2021 une façon pour capable permettre que gagnent et une stabilité dans pays avec organisation d'élection et c'est ça que nous t'est capable li dans une note que OEA ou bien en lettre que OEA lui même lui t'est écrit président république là Jovenel Moïse là dans quartier Bel Air on a pensé regarder comment ça lui-même lui a déroulé matin l'a regarder image yo gagner en pile caille qui yo même yo écrasé route là qui barré là ensemble avec tol mettons pile branche bois et haïtien ou bien ces populations mettaient dehors une façon pour capable mettre barricade empêcher que monde circuler en dans quartier Bel Air si wap côté nous ou capable seulement brancher chaîne 54 là ou bien aller sous téléphone nous sous Facebook à taper radio télévision Pacifique ou capable voir comment ça lui même lien dans quartier Bel Air pour matin là son quartier qui seulement gagne quelques grands monde
la donne est pratiquement vide. J'en ai capable. Donc, nous avons compris la situation par rapport à Jean Salé, même l'été hier. Il est pratiquement vide, en pile monde et caché quoi, en pile monde qui te zone et en façon pour capable et sauver tête avec tension qui gagne au niveau de quartier Bel Air, j'en t'ai suivi à danger. Bon, image dit ça oui, hein, et nous essayons de garder où, par rapport avec ça représenté et je dis à la et par rapport à la réalité hein, et quartier Bel Air et avec tout réellement à côté que rapide mon avis. Après, on a une situation qui est vraiment compliquée, qui est vraiment difficile. Et là, avec les collaborateurs, nous, et Ville-Nord, c'est bien, nous capables de regarder l'image et comment ça, eux-mêmes, ils sont dans zone ça. C'est vrai que l'Internet là, nous dit problème, mais nous avons l'image en direct et nous capables de voir zone ça, comment est-ce que les gens, les familles, ça, eux-mêmes, ils à vivre et qu'ils ont passé la situation. Ça, une situation qui est compliquée et nous espérons de tout cœur que, bien, n'a pas arrivé et sorti dans une situation compliquée, ça que la population haïtienne, les mêmes, les a vivent depuis quelques temps. Image, je dis ça que, au même dire que la police, c'est au niveau de du haut commandement et avec toutes ces SPN, hein, qui prend des dispositions qui sont nécessaires pour que Zach ça aussi se prenne produit parce que, et c'est vrai, mener une opération après, Zach ça a ligué place, mais empêcher d'arriver, et c'est ça qui est important, et comme quoi que c'est ça que la population haïtienne, non, il y a même souhaité et il voulait et qui fait tout. Je vous dis à la, ça qui est passé la saline, il est fait, et puis le monde mourit, la police s'est gagné qui ça en termes de bilan, et dans l'opération Benin, et pas grand chose pratiquement, mais maintenant, les qui ont quitté ça arrivé Delmar 6, nous quittons arrivé Riel Maya, nous quittons arrivé sous Belin, mais qui côté encore ne pas quitter arrivé et qui ça ne parle pas en termes de disposition, nous croyons que c'est des bagages qui sont aussi importants. Pour que dans la société, nous mettions accent sur eux, pour que les bagages ne pas continuer à répéter à chaque fois, à chaque moment, chaque jour dans le pays. Il y a un pays côté que si la population, il y a même yo, la guébra balan, et pas vraiment gagné une autorité qui est vraiment à fond bagage pour dire écoute, voilà, mais comment on a aidé, mais comment on a pas empêché. Les actes, ça yo, et continuer à répéter, continuer à reproduire dans un pays. On souhaite que gagner les dispositions qui prend. Pour que bagage ça eux même mes amis yo a pas à continuer encore dans le pays d'Haïti et radio Pacifique télévision Pacifique nous tout nous mobiliser pour que nous capables aider ou vivre aider ou comprendre comprendre réalité à vivre réalité à chaque moment à chaque fois situation ça eux même yo a présenté pendant que nous travail pour que yo pas continuer et répéter encore en dans la société haïtienne à Moïse. Et maintenant, nous abtenons sur le chapitre élection que nous avons parlé tout à l'heure et outre les problèmes sociopolitiques qui menacent la tenue d'éventuelles élections dans le pays pour le reste de l'année 2020, les joutes électorales se révèlent impossibles sur le plan technique également, d'après un expert contacté par le journal Le National. Il faut au moins 6 mois pour mettre en branle la machine électorale démobilisée à chaque élection. Et selon cet expert requérant l'anonymat contacté par le journal, les élections sont techniquement impossibles dans le pays pour le reste de l'année et même au début de 2021, après la démission en bloc des 8 membres du CEP de Berlinguer, le Conseil électoral provisoire attend les 9 nouveaux conseillers pour être fonctionnels. L'intégration de nouveaux conseillers électoraux dans le système électoral pour prendre environ 6 mois. Ils sont conscients de leur méconnaissance du système, souligne notre expert. Les conseillers ont besoin du temps, non seulement pour bien comprendre le système, mais aussi un temps de rodage pour bien articuler leurs travaux avec les directeurs techniques qui représentent les piliers du CEP. Pas de loi ou encore de décret électoral. La non-permanence du Conseil électoral, comme le veut la Constitution du pays, engendre des problèmes majeurs au sein de l'organisme électoral. À chaque élection au processus électoral, il faut une loi ou décret électoral pour légaliser le processus. Cette situation met le Conseil dans des difficultés qui ne dépendent pas de l'institution. En revanche, l'exécutif ne peut pas prendre la responsabilité de publier le décret électoral sans l'approbation du CEP. Le gouvernement doit d'abord mettre en place le CEP pour ensuite penser à la loi électorale. Et deuxièmement, registre électoral, la carte d'hermalogue bouleverse le système. Suivant les prescriptions régissant le CEP dans les élections dans le passé, il faut une période de 6 mois pour mettre à jour le registre électoral. La coopération entre l'Office national d'identification ONI est très importante dans la préparation de la liste électorale. Cette dernière doit refléter la réalité en tenant compte
des personnes décédées, condamnées ou déplacées également. Avec environ 2 millions de cartes déjà fabriquées, l'ONI est loin de fournir cette nouvelle pièce d'identité à toute la population. La résistance de certains individus contre la fabrication de cette nouvelle carte risque de provoquer un bourbier dans l'identification des citoyens du pays. Et ensuite, l'expert continue par un budget pour les élections. Si les élections sont des actes de souveraineté, le pays n'arrive pas encore à prendre en charge complètement la réalisation des élections sur le territoire national. Et expert là, aller plus loin est dangereux pour le fait qu'on ait que la mise en marche de l'appareil électoral. Donc, tout ça, c'est des problèmes que le souligner. Et puis, à chaque jour qui passe de la moindre action, la tenue des élections dans le pays devient compliquée, au-delà même des problèmes politiques et sociaux qui mettent en défi la réalisation d'éventuelles joutes électorales dans le pays. La partie technique de l'organisation des élections montre qu'il est incertain de réaliser des élections pour le reste de l'année et le début de 2021. C'est ce que nous écrit Vince Saint-Fort au quotidien Le National. En tout cas, les questions d'élections, ça a son chapitre spécial lié en pays avec le président Jovenel Moïse qui... Lui-même, de toute façon, veut organiser l'élection à Néa et avec l'OEA qui va jusqu'à janvier 2021 pour que l'exécutif organise l'élection dans le pays d'Haïti avec les partis politiques qui est juré pour avoir une élection avec le président Jovenel Moïse. Son situation qui est compliquée de jour en jour et que nous vivons dans le pays et d'Haïti. On espère que les problèmes techniques sont capables de résoudre et pour que nous sommes capables définitivement ouais. Quelques images que collaborateurs nous a permis de suivre depuis zone Delma 6, Delma 2, et Carrefour Payen, Riel Maya, par rapport avec zone Sao, Jean au lever matin, et Belé, et après hier soir, nous connaissons que, eh bien, mon examen est rentré dans zone Sao, Siri, Boulikaï, plusieurs habitants. Dans zone non et autorité l'État qui est pas vraiment au niveau de l'exécutif qui fait et silence après président Jovenel Moïse qui était fin condamné par un tweet dans soirée lundi a et bien et pas vraiment gagné l'autre instance au niveau de l'État qui prend des décisions concrètes et CSPN qui t'apprend à réagir mais réagit pour faire qui ça il venait si la fanor se décrit nous là hier soir il fait jusqu'à 11h moins et l'ITBLR, eh bien, il n'y a pas vraiment gagné présence la police dans un nom blindé ou pas là. D'après ça, lui-même l'a dit, et sous Cathy Belair. Mais est-ce que dans l'autre zone, tant que Delma 2, tant que Delma 6, situation était plus ou moins réelle, n'a pas essayé de garder pour nous. Il est déjà 7h51 minutes là, nous pourrons aller après et poser rapport. Et nous espérons que n'a pas joué un responsable de la police qui est même capable d'expliquer ce qui a passé Belair. Parce que là, et ben là c'est pas trop loin palais national, c'est pas trop loin côté que force la MAI, c'est pas trop loin Udmou, c'est pas à trop loin et Simo et si n'a regardé pour nous puis au Beléa et gain base Boyd là qui au même yo là, ça veut dire que son zone côté que la police pas vraiment trop loin et si n'a prendre Delma 2, Delma 2 et bien gain et service et circulation qu'il a mais c'est un peu lié avec Ignacy Lafanor qui il m'a parlé pas Ignacy Lafanor mais plutôt Ville-Nord et qu'il a qui a permis d'asque nous garder des images n'a regardé des cacasses et de véhicules et que monsieur Damio boulé dans zone ça son situation qui est compliquée qui est difficile avec une économie qui déjà et à la graba et là économie l'a fait plus et ou très dans une situation économique beaucoup plus difficile dans jour qui venir parce que en pile monde ça c'était caillou qui boulé. En plus, le monde sait, c'est camionnette qui était qu'on utilisait. Et là, on a regardé l'image, ouais. Et on a regardé. Et il a fait médifier. J'en ai même dit là, qu'a sorti. Ça triste, c'est machin. Non, Kakasayo. Et là, c'est Tika et Mounsao qui boule dans zone Belé. C'est nous capables de dire, c'est machine qui était qu'on fait camionnette et qu'on utilisait. Et il fait du transport pour que nous capables d'assurer. Et nous capables de dire, la vie familiale qui arrivait perdue. Ça qui vient compliquer et davantage la vie Mounsao et en espérer que l'autorité de l'État, mes amis, il prend des dispositions concrètes, nous dit bien, des dispositions concrètes pour permettre à ce que la situation ça, mes amis, il ne pas continuer, et poser dans le pays. C'est vrai que
et là on gens dans les ligues doit dire que eh bien il décide et il fait la paix et entre eux, mais à tout moment et eh ben elle est capable de changer, il est capable de prendre n'importe quelle décision que les armes c'est la même autorité légale que oui, en espérant que gagne des dispositions qui prend et bon côté autorité la police pour empêcher situation ça. Je n'ai pas gardé là pour continuer présenter là, n'a pas gardé, c'est des zones qui est pratiquement belle c'est pour qui pratiquement abandonné dans le moment on a parlé à là par riverain yo qui yo même a cherché espace pour que yo capable aller et venir. Il m'a parlé de Ville Nord qui a juste qui a fait un pile effort pour permettre à ce que image arrive joindre nous la caillou et pour capable garder comment situation li même lié matin là dans quartier ça. Quartier ça donc on est à une époque qui était bail et en vivive quartier ça à une époque côté que bien mon pile monde était habité là-dedans qu'on paquet ton paquet de monde dans société là qui était habité dans zone et belle et bien et selon Yves Dersi Lafano hier il y a une tentative et qui t'a fait puis même bouler l'église catholique qui dans zone ça. Nous croyons que c'est des bagarres qui grave qui compliqué qui difficile et n'a pas gardé et tout dit yo côté qu'un pile monde yo même yo été des maisons de fortune, mais c'est ça que moun yo te gagné pour ta vivre et monsieur dame qui gagne problème avec yo yo rentré dans zone ça et yo bouler et espace ça que moun ça gagné. Nous croyons que c'est des bagarres qui difficile qui pas capable à continuer à poser à répéter en dans société noire les que nous le font société du droit côté que droit monde respecter mes amis faut gagner un peu l'effort qui fait beaucoup de autorité l'état yo pour empêcher bagasse yo yo même yo continuer à poser là n'a pas gardé image yo ou même cap suivre télévision pacifique ou capable suivre nous sur Facebook sur YouTube ou capable suivre nous sur radio télévision pacifique.com et les ça ou a gagner possibilité pour ou capable suivre image yo en garder ensemble comment situation les mêmes li présenté matin jeudi 3 septembre 2021 dans quartier Belair côté que hier soir j'en connais déjà et bien bandi exam t'est rentré dans zone ça encore une fois yo tiré yo boulé et après yo sorti calmement aller vers audio son bagage qui est pratiquement compliqué Moïse. Mm-hmm. Bon c'est une situation qui est vraiment compliquée et mon yo vraiment pas gain espoir parce que yo obligé quitter la caillou et gain des monde là dedans qui déclare que pas même kon ki côté yo pour aller seulement yo a marché et ça gain famille a chercher si yo jeune famille pour aller passer quelques jours la caillou et en façon pour capable évacuer et zone mais tout pour courir pour ça qu'a passé au niveau de quartier et Belair. Nous même et radio et télévision pacifique nous toujours fait tout effort qui dépend de nous pour nous permettre que ou vivio et ça qui a passé yo parce que nous c'est zone avec Jérôme capable le matin si toutefois ou gen moun nou ki rete et dans zone sa yo capable voir comment situation li même lié au niveau de quartier Belair mais blindé à danger que là nous ta ou t'a parlé de tout à l'heure là on blindé Belair le matin on blindé Belair il venait ici la fin donc on va trouver lié mais matin là il collaborateur nous menace que nous on blindé et qui est lui même présent dans Belair mais pour faire qui ça et concrètement est-ce que blindé ça arrivé à accompagner population ça et qui dans la rue mais là m'a regardé un monde qui gagne valise li sous do li qui chargé et tant qu'au ligue bas et bien monde ça c'est des monde qui a quitté les zones là et nous ouais monde a toute mallette dans main il a abandonné les zones probablement ces zones côté au fait zone côté au lever côté au grandi et zone dans sale tout tant qu'au pain dedans oui parce que pas gagne monde situation qui est compliquée mais là les citoyens qui habité dans zone ça il a vivre avec la peur tous les jours. Et bien, par rapport avec Jean, à n'importe qui moment, mon examen capable d'entrer, vini, faire ça que vous voulez. Et dans zone, dans espace si là, et en pile moule matin là, et qui a une possibilité pour quitter zone, c'est ça, profiter faire. Et gagner tout qui pas gagner aucun côté pour y aller, y obligé rester là pendant que y a une autorité et qui placé pour ça autorité la police, autorité la justice pour même pour venir et garder pour eux qui ça capable faire, qui ça capable dit par rapport avec réalité. Nous connaissons na vive dans pays à la Moïse une réalité qui est compliquée qui est difficile par rapport avec une situation lui-même lui présenter là non exactement dans le lycée Pétion et devant première église de Dieu Christ là nous pour passer devant lycée Pétion pour nous voir comment ça lui-même lié nos machines qui est vite crasé et la rue et que mon vraiment est barré et là son vraiment massacre qui fait il est par rapport à l'image que n'a pas bien regardé là
Et la police, c'est pour un chiffre en termes de perte en vie humaine. Oui. Mais, il faut que nous disions par rapport à la quantité de monde qui est blessé. Il y a un paquet de monde qui est blessé par balle. Et il y a un peu qui est à prendre soin dans quelques centres hospitaliers qui gagnent dans le pays, parmi eux, l'hôpital général. Donc, nous avons vraiment ça, les mêmes, les abdéoulés là, nous avons gardé l'image avant même que nous ayons monté le drapeau. Ils ont vraiment sale, danger, vraiment sale, bel et vraiment sale. Et on dirait que la population profitait et j'étais fatra dans la salle de vente. Exactement. Il y a des pétitions qui t'a supposé gagner l'école le matin. Bon. Et bon, pas t'a supposé, mais moi, élève, mon élève, qui même pour rentrer dans les pétitions pour aller à l'école, dans situation liée là, et parce que l'autorité a gagné des dispositions qui prend. Pas oublier que nous toujours, et en pleine période du coronavirus, et gagner des mesures qui t'a supposé prendre. Et l'autorité, il même, il y a comme ça. Collaborateur New Vinor, et qui a payé avec toute. L'autre ami qui a pas fait nécessaire pour que yo capable d'arriver et chez Mars et là cap qui tibilaire et situation lui-même li est compliqué image yo vini et nous suivions nous voyons nous va proposer rapport et l'entourner n'a pas tourné avec chapitre qui vient pour avec question insécurité politique là. Il est déjà 8h. Il est déjà 8h. Doit dans le travail, doit pour joindre Timosso la justice, doit pour faire respecter bien à l'honneur, dignité, liberté. Pacifique FM a présenté le mot du droit. Droit mental qui fierté nous. Avec Maître Rodrigue Dumas. Dans tant longtemps, question de justice et sécurité à Techita avant tout, sont question de clan. Chaque groupe te cherche à organiser, pour te tête ensemble, non seulement pour te faire régner la paix dans le tout membre groupe là, mais tout pour te défendre tête contre toute forme d'agression, toute attaque avec mauvais actes dans l'autre groupe. Et l'un membre d'un clan des victimes, dans non solidarité ça, non seulement tout clan est prêt pour te assister victime là, mais tout pour te venger principal agresseur et même tout groupe adverse là. C'était le règne de la responsabilité pénale collective. Mais je voulais vous dire, toute société civilisée admet que aucun groupe humain pas capable de fonctionner dans la question œil pour œil, dent pour dent. Et c'est pour ça droit légitime ça que chaque grain citoyen gagne pour assurer propre sécurité pour faire tête de justice pour compte lien chaque fois le victime dans intégrité physique dans bien li dans honneur li il délègue exercice droit ça à une personne morale qui relève l'état comme ça là un malandrin ou bien un groupe malandrin amusé ou dans commettre mauvais actes que ce soit dans tout le monde dans faire cas déjà que sous monde dans voler affaire monde dans craser briser ou bien mettre du feu dans bien monde même si victime là ou bien parent victime là pour une raison ou bien une autre. Soit par exemple, pour une raison d'ordre affectif ou de conviction religieuse, tu as choisi pas poursuivre autant de mauvais actes là, l'État lui-même, au nom du respect de l'ordre social établi, doit intervenir d'office, mettre l'action publique en mouvement, bousquer escamoteyo, akweyo, mareyo, traîner devant tribunal, appliquer peine que la loi prévoit qui correspond à mauvais actes là, condamner yo, déposer en prison, non seulement pour ne pas jamais prendre chance de la société encore, mais tout pour voir un message clair à tout l'autre à tout faire pareil. Pour dire, attention, l'on comprend nous qu'à venir mettre la société à tête en bas, eh bien, mais ça paraît à attendre nous. C'est pour ça, c'est à l'État et à l'État seulement, constitution avec la loi confier ça où il est le monopole de la puissance publique, ou encore le pouvoir exclusif de la coercition pour obliger tout le monde, quel que soit le pouvoir politique ou économique ou rang social, respecter l'ordre social établi et au besoin manou militaire. Ça veut dire même si l'État obligé utiliser la force publique. Il ne suffit pas qu'un État ait une constitution, la loi et puis bah tête d'institution pour l'État ça ait une stabilité et par conséquent pour la marcher sur route progrès. Il faut surtout que l'État bah tête les moyens
et manifester volonté pour appliquer et faire respecter la loi, qui c'est seule condition pour chaque grain de monde joindre garantie sécurité yo, et pour l'État ça arriver prospérer et fonctionner bien. Par contre, si organe d'État révélé impuissant, insouciant, corrompu, incompétent, ou bien en confiant l'eau, connivence avec tête langue avec réseau malandrin avec fauteur de trouille. Bref, l'État pas prendre responsabilité pour affirmer autorité. Autorité a vint chita nommé à tout fait qui pi arrogant, qui vient croire que l'autorisé by tête il doit ak pouvoir faire régner propre autorité pâle au moyen de la violence et puis disposer de bien à la vie monde, j'en ai dit le deal. Nakasa, désordre vient remplacer l'ordre, anarchie vient remplacer la légalité, impunité remplacer la justice et même existence de l'État ça, pas long disparaître. De l'autre côté, tout État a intérêt pour cultiver respect. L'autre État y a développé rapport avec vous et puis attirer investissement étranger pour plus de monde qui a joint travail dans la société. Mais ce n'est pas dans le conflit gorge, dans le fait de joler, répétons une série de gros mots comme souveraineté, nation indépendante, première république nègre du monde. Ce n'est pas ça qui a fait vous prendre au sérieux vrai et respecter. Vous avez commencé à respecter tout bon vrai. C'est seulement là où même ou baille preuve qu'on prend tête au sérieux. Et seule façon pour baille preuve ça, c'est là où commencer montrer ou décider faire tout pour respecter la loi avec institution qui régit fonctionnement en tant qu'État. En tout cas, d'après constitution pays, il y a qui c'est fondement autorité l'État. Depuis un monde de choisi pour venir occuper poste président et premier ministre pays, c'est dégage au cou qu'on est, mettez quand son en taille pour faire établir l'ordre, garantir la paix. Ak sécurité dans quatre coins pays. Mba jam tande yo forcer personne dans pays ici pour vinn chef. Kizi donc ou pa ka dim a profin fè toute qualité maninguette a vieux combinaison pour arriver dans tête état et puis pour juste contenter ou a vu tout avantage ak privilège fonction bay pendant que ou prend pause bouche géo ou pa wè ou bien croise bras a passer ces pays ka fin détruit. Article 136 constitution dit président république là c'est chef l'état. L'île pour veiller pour tout le monde respecter la Constitution. Et puis faire sa Constitution en mandé pour faire. Pour veiller pour toute institution qui était jam, ten face. L'île pour faire pouvoir public marcher régulier. Pour l'État continuer à l'État qui est raide dans toutes circonstances. Tandis que, article 159 et 159-1 Constitution dit, Premier ministre lui-même, il a une responsabilité pour faire exécuter tout ça la loi mandé. Et en tête ensemble avec le président, les responsables défense nation. Maître Rodrigue Dumas, Pacifique FM. Pour tout conseil et suggestion, composez 49 39 79 19 ou bien cliquez sur www.lemotdudoit.net à page Facebook Pacifique FM. Le mot du doigt en route vers un état de droit. Rête branché. N'a tourné talent. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Est-ce qu'on connaît bonjour, c'est un petit mot deux syllabes qui ca l'ouvrir toute porte? Ah oui. Est-ce qu'on connaît tout un simple petit bonjour qui aider un prochain passer une bonne journée? Ça, c'est vrai. Dis-moi bonjour, m'a dit bonjour, comme ça la vie va plus belle. Ça, c'est un message Radio Télé Pacifique poté pour améliorer rapport mon ak moun nan pays a. Le National est à la pointe de la technologie. Tapez dès maintenant www.lenational.org et lisez le journal sur votre smartphone ou votre ordi tout en écoutant la Radio Pacifique sur le 101.5 FM. Si vous désirez lire le journal au complet, sélectionnez le journal. Et ce n'est pas tout, le National dispose d'une archive au bas de la dernière page. Ainsi, vous pourrez faire le tri du journal soit par numéro ou par date. Le quotidien Le National, près de vous, à travers la technologie. Dans l'idée pour sensibiliser tout peuple haïtien sur l'importance nouveau 4 identification nationale, Office national identification, ONI, tant main yon campagne dans 4 coins pays d'Haïti.
on y a profité rappeler tout le monde. Délai pour aller faire nouveau 4 identification nationale, c'est 16 octobre 2020. Cap vini là, Jean décret 18 juin 2020 a mandé ça. Qui donc, citoyen tout partout dans le pays, marché pressé, tout bureau on y déjà l'ouvri porte yo bien large pour recevoir demandé yo et puis ba yo service pressé pressé avec bon gens accueil. Ou doit marcher avec youn dans pièce si là yo. Baptiste, extrait d'archive, certificat baptême légalisé. Ou même madame mariée qui t'a remis mettre nom mari ou sous 4 signes. Songez marché avec acte mariage. Pièce d'identité si là, c'est un 4 multibiométrique. Ça veut dire, li fait à partir toute information sur moun kap fèl la. Tant kou, empreinte douette li, empreinte gel avec reconnaissance faciale. Mettez sous ça, li vini ak yon piste électronique qui donc pa gen pièce possibilité pour faire faux 4 ça. Nouveau signe, fait rapide, facile ak yon matériel solide qui pote non polycarbonate, li résister ak glo, chalet et puis ba yon garantie 10 ans. Tout citoyen à la ronde bade doit dégager au coup mettre Jean-Jacques pour gen nouveau 4 signe avant date 16 octobre kap vini là. Pas oublier, aucun monde pas autorisé à le chercher 4 pour monde. C'est médecine seulement qui peut passer chercher dans bureau ONI côté le te fait là dans une période qui pas dépassé 8 jours. ONI a prêté l'ouvri 7 jours sur 7 pour servir population hein. Moun kap viv ak yon handicap gen priorité nan tout bureau l'ONI. Pas attendre date 16 octobre arrivé sou nous pour nan le faire 4 là. C'était un message Office National Identification ONI. Pour ajouter une touche spéciale à votre décor, jardin, bureau ou intérieur, visitez la boutique Bohème. Bohème vous transportera dans un univers où se côtoient des pièces uniques de style industriel, moderne, oriental, résolument tendance. Conseil déco ou commande personnalisée, le personnel qualifié saura vous guider dans vos choix. Situé à l'angle des rues Chavannes et Clairvaux à Pétionville, Bohème sur Facebook et Instagram à Bohème Boutique HT. Cadeaux, accessoires, mobilier, Bohème. Un peu de tout, de partout. Compagnie non en relais Pinson SA. Il n'y a pas aucun autre nom. Pas prendre un fromamite, pas prendre un imitateur. Directeur compagnie, c'est Tipinson Tetnob. C'est lui qui était chef pompier dans l'aéroport. Chaque 2 ans, il est obligé de passer un examen pour voir si monsieur au courant dernier technique et dernier produit qui gagne sur le marché. Donc, Tipinson Tetnob, certifié comme spécialiste dans le combat du fait. Pinson SA. Delma A1, numéro 19, téléphone 28 16 11 40, 28 16 80 20. Pendant pays États-Unis, Haïti et partenaires régionaux ont travaillé pour préparer une saison capotée en pile cyclone pendant la pandémie COVID-19. Nous avons déconseillé les migrants pour parler avant de tirer un bateau pour faire voyage dangereux qui a même la cause de la mort. Dernier groupe 266 haïtiens qui ont été menés retourner au Cap Haïtien après autorité zile Tekken Kai Costa Kembe bateau t'a voyager yo montré yon l'autre fois encore que c'est la peine pour nous risquer la vie nous dans gens de voyage ici là yo pays États-Unis partager des pays d'Haïti pour yon des meilleur pour peuple ya et puis nous continuer à travailler pour yon Haïti qui plus sûr qui gain plus sécurité et puis plus prospère chauffeur propriétaire machine qui t'a remet tenté filmer vite machine yo ou bien qui déjà gen vite machine yo filmer tenté DGI voye fait nous connaît article 10 décret budget 2019-2021 fait nous obligation pour nous passer dans direction générale impôt qui pi près ou là pour vinn payer pour ka joindre autorisation mes documents pour nous porter papier machine nan faut qu'on pas doit vignette matricule fiscale permis de conduire pièce d'identité valide ak montant l'argent qui c'est 10000 goud. Pour institution ak entreprise yo fòk yo pote kitis fiscal ou patente valide, kad d'immatriculation fiscale, papier machine en règle, papier assurance valide et puis preuve paiement qui c'est 10000 goud la. Pas oublier, autorisation pour vite filmer a pas empêcher la police rete machine nan pour faire travail contrôle qu'elle était toujours qu'on fait pour garantir sécurité tout monde. Si ou pa gen autorisation DGIA, ou ap pran contravention 20000 goud. Marché à autorisation dans machine nous pour pas aller nous raconter et puis payer contravention tête nèg. Maman, car on machine. Faut juste un crash check, ça c'est Subaru. Boum boum, pas quatre, ça c'est Subaru. Yes, grippez mon nez, du son Subaru. Maquille prendre un wash, elle me Subaru. Yes, faut juste un crash check, ça c'est Subaru. Boum boum, pas quatre, ça c'est Subaru. Grippez mon nez, du son Subaru.
t'aime moi. Quatre chaises malaises moulées soir. Qui machine lick swap jeune n'a pris ça. Yon machine japonaise wa di konnichiwa. Konnichiwa. Kado chassis, machine de classe. Si c'est toi le vire, regardez les ma passe. Otome kado vitesse, kado sécurité. Kon pas ka passe, kon souba ou toujours passe. Faut mister crash check, ça c'est souba ou. Voum voum, pas kat, ça c'est souba ou. Je peux mon nègre du sol, souba ou. Souba ou. Pas de bon en wash, j'aime le souba ou. Souba ou. Faut mister crash check, ça c'est souba ou. Sous ta reme gon soubaou, même j'en avem, vin jouen nou nan Automeka. Adresse 22 boulevard Toussaint Louverture sous Woutayou Poa. Téléphone 2941-2544 et 2941-2545. Et sous net la, automeka.com. Protéger environnement, c'est reme tête nous, nous toutes concernés. Nous devons tous répondre à ce cri d'alarme qui fait appel à notre amour propre, à notre responsabilité de protéger notre espace. Cam Stéphanopoulos, l'ami de toutes les générations, vous invite à écouter Environnement Pacifique. Comment percevoir l'urgence de protéger l'environnement. Chaque dimanche, 3h, 4h de l'après-midi. Une occasion d'échange pour sauver Haïti sur le 101.5 FM Radio Pacifique. Pour référence BRH pour jeudi 3 septembre 2020, c'est 113 gouttes 62 pour $1 américain. N'a pas rappelé tout le monde, taux référence BRH calculé et puis publié pour journée 1, c'est résultat transaction achetée dollars qui fait dans la veille sous marché change là. Pas oublié, taux référence là disponible tout le temps sur site BRH là, www.brh.ht, sous compte Twitter BRH, BRH Haïti, ou soit ou carrélé centre contact BRH là gratis dans 80D74. 113 gouttes 62 pour $1. Radio Pacifique, qui n'a nous branché, coûté et puis tendu. Pacifique FM. Port-au-Prince, Jérémy, Okaï, Cap-Haïtien. Pacifique FM. Plateau Central, Latimouni, Port-de-Paix, Fort Liberté. Pacifique FM. NIP, Jacmel et puis dans la diaspora, à même basio. Radio Pacifique FM, notre passion. Radio Télé-Pacifique, l'unique transparence, la seule, la vraie station choisie parmi tant d'autres pour mieux vous édifier. Les 8h15, rebonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la deuxième partie de cette édition. Tout de suite, on va ouvrir le chapitre politique, mais politique par Boris Jodi à l'Élié. Avec ça gain pour avec sécurité et insécurité mon a mouri tribo pa bo mon a mouri et chaque jour et son bagage nous pas ka comprendre ça ka fait dans pays d'Haïti et qui sa autorité a fait qui sa autorité a dit comment situation politique là les mêmes liés nous va le font parler avec président parti fusion des sociaux démocrates haïtiens Edmond Dublis Bouzil avec une balaisse regarder pour nous question et ça mais deux grands points nous parler émission avec lui c'est cette volonté mais pratiquement trois points et cette question de sécurité mais tout la volonté du président de la République pour faire élection à Néa et puis il y a l'OEA tout qui vont belle dit l'aide par président de la République là pour le dire que eh bien il gagne jusqu'à janvier 2021 pour organiser l'élection par Wesley Jacques. Oui, et maintenant, nous t'attendons dans la journal côté que il y a un expert que le national de la Kavel et qui a dit que organiser les élections, il faut que vous 6 mois. Oui. Donc, parce que pas de conseil électoral. Pour question électorale. Et pas de conseil électoral, et tout le monde a été démissionné et en bloc. Et projet qui a été au président Moïse de faire le conseil électoral là. Et le projet Balulel, parce que j'aimerais être un marché pressé pour te faire conseil là, à ce qu'il paraît. Parce que nous, on est toujours deal, et il faut qu'il y ait un consensus. Et c'est pas tout l'heure, on peut tout faire avec une baronnette sauf sans soi déçu. C'est pas tout l'heure qu'à régler toute bagarre par la force. Il y a des l'heure, et surtout dans un pays ailleurs, si vous voulez organiser l'élection, il faut qu'ils soient faire l'élection. Si vous voulez, go conseil électoral, mais fort, un conseil électoral qui a mis tout acteur en confiance. Et acteur en confiance, ça veut dire qui ça? Ça veut dire qu'il y a une négociation qui se pose joindre parce que depuis 3 ans, nous avons un couteau tiré en un pays. C'est-à-dire que si nous avons un couteau tiré, il faut que nous joignions
et consensus. Là, faut qu'on joigne et ça qui a mis tout à ici ensemble pour nous avancer. Donc, ça veut dire que la question de l'élection est très hypothétique pour faire année, parce que nous sommes déjà au mois de septembre. Nous sommes à 3 mois et de 2021. Et pour faire et Jean ou Abdia dans le mois janvier, élection, donc ça t'a dit, c'est dans 4 mois, pas vrai, Moïse? Oui, donc, si c'est dans 4 mois, donc situation pas facile. Et d'autant plus que nous avons un climat de sécurité dans le pays qui est vraiment délétère et qui est vraiment difficile. Donc, c'est pas une situation facile, c'est pas évident. Des élections et en janvier 2021. Il n'est pas évident parce que question liste électorale là tout faut que font passer mais là dedans et puis gagner loi ou bien décret électoral là qui t'a supposé et fini net, donc ou bien pour président t'a fini net avec lui, donc en pile de difficultés et pour capable faire depuis question financement élection en tout. Sur l'autre casse-tête, nous connaissons déjà qui j'ai en économie pays à l'état précaire. Est-ce que nous avons fait avec fonds par nous ou bien est-ce que nous avons fait avec aide étrangère? Donc, si vous avez des pour que vous avez fait en janvier 2021 plus tard, bon, c'est sûr que ça va arriver que nous joignons en aide dans les étrangers. J'en ai souvent fait dans plusieurs élections passées, sauf élection Justin Privé, les mêmes étaient organisées. Donc, tout ça, bon, oui. Bon, je pense que c'est dans l'île, ça peut être. Ou est-ce que nous avons continué à aller? Oui. Dans l'île, Justin Privé, parce que. Et les élections, c'est un acte de souveraineté nationale. Ça veut dire, c'est où qu'on va choisir dirigeant. Si c'est où qu'on va choisir dirigeant, il faut ou tu vas faire en toute indépendance. Faut la faire avec l'argent. Tant que un petit proverbe haïtien qui dit, et si vous mangez l'argent Chango, il faut couper Chango. Maintenant, si vous ne mangez pas l'argent Chango, Chango va pas venir demander et toucher. Il faut couper le poids et il faut couper la pire. Et tant que j'en pouvais la lui-même le dire. Nous parlons politique avec insécurité. J'en ai dit tout à l'heure, mais nous avons un lien avec nous, Jean-Clarence Renoir, de Unir. Et Clarence Renoir, bonjour, merci un peu pour disponibilité. Ou bienvenue sur Pacifique. Comment quoi, frère? C'est Jacques et Moïse et puis Olivier. Jacques. Oui, comment est-ce que vous êtes? Je suis Rapkembe. Rapkembe, vous êtes clair, papa. Vous êtes clair? Vous êtes clair, comme toujours. Mieux l'été manger poire. En tout cas, situation compliquée et Clarence Renoir, nous prenons les Sénégalais et 3 points avec vous. Et question élection, question insécurité et qui gagne dans le pays à l'art, jeudi à l'art, Belay, depuis lundi après-midi, à quelques mètres de Palais National et Fossé à Médaïti tout près, à Boy tout près. Et situation en tension, matin là, télévision Pacifique permet à ce que nous ayons des images, côté que Mounio a malette dans le monde, il a quitté la caillou. Qui ça dit où en tant que citoyen et homme politique haïtien? C'est même pas des mots pour me décrire la situation, ça, pour m'exprimer, pas décrire, parce que je décris, il y a même pas des mots pour m'exprimer. Allô? Nous avons des communications avec Clarence Renoir que nous n'avons pas rétabli. Et tout de suite, pour nous capables de garder et pour nous voir ce qui a fait, ce qui a passé par rapport avec ça, une situation qui est compliquée, politique là qui est mélangée avec les brigands d'insécurité, pas bon ici, mon ap mouri et pas bon ici, et ou pas senti que gagner des dispositions concrètes qui prend au niveau de la police nationale d'Haïti. Et une façon pour empêcher bagage ça et reproduire gagner des dispositions qui apprend vraiment vrai et pour que yo pas continuer mais et ça passé yo passé déjà et Clarence Renoir communication te coupé frère. Oui moi t'a dit que m'a des mots pour m'exprimer ça me sentir en dans moi-même comme être humain comme monde qui est politique comme citoyen regarder ouais, exode interne ça son exode interne que j'ai pas assisté là c'est-à-dire que des monde qui dans des quartiers et qui trouvaient que gratis ça souffre jamais. Donc, il va t'abriter, il va déplacer à l'autre côté. Et on se dit, nous n'avons plus mettre côté de guerre l'ensemble des forces de sécurité et les représentations les plus officielles, symboliques de la République. Le Palais National, le quartier général de l'armée, les forces de police, le ministère de l'Intérieur, tout. Tout qui t'a dû garantir un large périmètre de sécurité et assurer mon qui est dans la zone saillot
la paix, possibilité de nous vivre bien, alors c'est tout le contraire qu'on a constaté. Et il paraît même que l'autorité aussi, nous est puissante, nous est différent par rapport à ça qui a passé. Eh bien, son au sentiment de colère que lui suscitait la caille au monde, et l'on ce type de situation sans assister à lui-même dans la capitale pays d'Haïti. Dans l'Union, nous déjà réagi déjà, nous lançons appel à l'autorité. Encore une fois, puisque c'est ça, nous avons fait lancer appel à eux pour ne pas quitter la population à victime de gang. Ça, c'est non assistance à la population en danger. C'est les crimes que ça a révélé. Et connivence, complicité parfois, tout le monde connaît qui vient entre autorité et groupe de gang, ça fait que justement, ils ont paralysé. La police n'a pas agi parce que par contre, s'il agit, est-ce que ça plaît à l'autorité politique yo, l'armée n'en parlons pas. Donc voilà, et dans une situation que nous sommes, où nous avons croisé des chemins, où le pire peut arriver, et puisque c'est la première fois que ça arrive, et nous voyons que l'autorité n'a pas jamais réagi. Et mais maintenant, et nous t'apprenons depuis à Espérance et Clarence qui dit que chaque fois que nous à l'approche des élections, il y a un genre de situation sérieux. Et d'après lui-même, ce n'est pas isolé. Ou même, on va aller dans le même sens, ça tout. Oui, c'est vrai que période électorale toujours précédé et succédé tout, avec des événements sanglants, malheureux, dans le pays. Mais vous connaissez, Jacques, moi, j'ai toujours pensé que la modernisation, c'est un modèle qui est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que il y a des gens qui doivent comprendre que dans le 21e siècle, l'ère de Internet, de l'information qui a circulé sur les réseaux sociaux, etc. Nous avons l'ère de modernisation où la politique aussi se modernise. Et que mon acteur politique doit moderniser des choses. Par contre, il y a des gens qui étaient capables d'y ancrer dans le passé du 18e, 19e siècle pour faire politique. C'est par le feu, par le viol, par le vol, par la corruption, par le sang, par les armes à feu. Donc, nous ne sommes pas capables d'accepter ça dans le 21e siècle. Pendant nous-mêmes, on a essayé de faire effort pour que nous disions au pays a gagné, comme nous, le pays a bien accès à tout ça qui gagne comme moyen de vivre moderne, plus ou moins. Donc, nous ne pouvons pas quitter la politique la fin de ce bagage. Et c'est ça qui a passé là. Certains nous croient que la politique là pour le faire, pour le réussir, pour qu'il tue le monde, pour qu'il arme l'autre monde, mettez aux armes en face aux populations civiles. Donc, nous condamnons ce type de comportement, ça, ou qui c'est des comportements rétrogrades, qui fait que nous sommes obligés dans les actes de violence qu'a perpétré à travers le pays à chaque fois à parler de. Ce n'est pas même élection seulement, M. Dakarab déjà, mal plus loin. C'est bien qu'on fait une politique en Haïti. Il y a des gens qui pensent que cette politique-là, c'est faire les choses les plus viles qui soient, les plus sauvages, les plus barbares qui soient, qui fait que nous venons parler aux populations, aux peuples qui pas civilisés. Et ou même, ou c'est là qui toujours prône et dialogue. Et je dis, par exemple, nous toujours une possibilité de faire dialogue-là, et si nous faisons sous qui ça pour nous faire, parce que le président Jovenel dit tête droite pour l'élection. Non, question d'élection, Jacques, moi, parce que. Il y a deux façons de considérer. Si nous avons un système démocratique, élections sont nécessité, liées à contournable, il faut qu'il y ait élection. Mais cependant, pour faire élection, il faut que le climat soit approprié pour faire élection. Je ne veux dire, dans le pays d'Haïti, pas gagner en quelle condition qui réunit là pour élection. On est prêt de tout qu'on a parlé. Si on veut la population haïtienne à massacrer, je ne sais pas si je vais là, et c'est pour le dire à l'élection. Et si on dirige à lui-même besoin de massacrer la population en plus toujours, c'est pour le dire à l'élection. Parce que, regardez, si l'autorité va quand même intervenir là, pour stopper ce qui a passé là, sous les côtés de population, c'est quitter la petite quartier. Et nous connaissons, population dans la cité soleil, dans Solino, dans l'autre côté encore, sous Fenouri, dans la Tibourine, de tout côté. Donc, si on va quand même faire ça, qui élection va le faire là? Et nous ne pouvons pas faire l'élection, nous ne pouvons pas faire l'élection, pour nous quitter ces gens qui ont des armes en main, qui ont contrôlé l'Union. C'est eux qui ont fait campagne pour continuer et c'est eux qui ont contrôlé sa place. Si c'est une élection que vous voulez faire pour ces bandits qui gagnent dans le Parlement, pour ces trafiquants, les trafiquants de drogue, toute qualité type de trafiquants contre bandits qui parlent dans le Parlement noir, pour une 51e législature qui c'est plus pire que 50e dans que j'ai critiqué là, et bien, si c'est type d'élection que vous voulez faire, allez-y. Mais nous avons besoin de partir sérieux, unir, on va le balayer comme ça. Ok, ça c'est clair. Et unir pas pendant l'élection aussi, c'est j'aime ça que l'a pu organiser. Est-ce que d'après vous-même et d'après toutes les rumeurs qui a couru, parce qu'il n'y a rien de confirmé, t'es seulement gagné deux mondes que vous pouvez gagner
pour faire conseil électoral et pour gagner 9 membres. Et si on fait élection, ça arrive que fait abse sous clou, parce que j'ai le président Abdelah. Et vous pensez que la situation n'est pas venue plus mangon, mais Haïti a tourné un jungle tout bon? Nous avons un jungle déjà. Mais pour nous éviter, c'est pour nous éviter d'entrer dans la guerre civile, parce que là, nous avons l'envers du talion, que si chaque monde nous a mis la main, nous avons des groupes qui échappent à contre l'autorité qui a fait ça ouvrir. Et des images de Pétionville qui commencent à inquiéter tout le monde. C'est-à-dire que si Pétionville a pris des coups chaque fois, et pour montrer où t'as dit son jeune qui était plus ou moins bon calme, apaisé, puis qu'on a lié la même type de ça. Donc on commence à sentir que le climat a envahi toutes les zones métropolitaines et aller au-delà. Maintenant, comment déterminer à pour faire l'élection dans le climat ça, la difficile. Et ma tout simplement rappelé que l'histoire récente pays là pour rappeler nous, chaque fois. Nous forcer à faire élection dans condition ça, élection les bouts de mamie, crème soulier, bouillie vidée, chaussures, tout le monde, mais toujours c'est plus crise qui augmente dans le pays. Donc on va prendre 2-3 exemples rapidement, parce que, pas oublier, moi, je me dans le secteur journalistique là. En 1987, on a fait élection dans de mauvaises conditions, nous avons passé dans le variant, tout côté massacre. Élection 1988 à 1987. Et 3 partis politiques. Pour bon côté élection, le bien était allé, le président était élu, il a fait même 3 mois ce pouvoir, en réalité, il fait 120 jours ce pouvoir. En Haïti, devant toujours. Et donc, sauter le temps, en allant 2000. Élection faite en 2000, 3 partis politiques de bon côté élection, et bien, élection faite quand même, bien 2 candidats qui ont arrivé au final présidentiel, c'était presque la pure démagogie, et Parlement qui nous a confisqué avant même que le temps fait en fonction. Il était sorti le 7 février, lorsque le président a réussi à prêter serment pour l'entrée comme président, l'opposition a nommé le président par exemple pour prêter serment. Et ça a dû déboucher sur 2020. Donc, exactement là devant nous. Donc, moi-même, je me suggère, je recommande, et même moi, dire, il faut que nous jouions nos compromis politiques avant que nous entrions la question élection ça. Son compromis politique, quand même, nous jouions, ça m'a dit, on va parler de lui-même. Là. Si nous faisons un compromis politique, oui. Nous sommes capables de remarier, nous sommes changer, nous capables de faire constitution. Mais si on va jouer un compromis politique, ça, nous pas capable de faire constitution, nous ne pas capable de faire élection dans le pays, tout parce qu'on peut prolonger le pays dans plus que toujours. Et Clarence, pour nous parler de M. Doval, nous connaissons qui qualité réaction qu'on a déjà sous assassinat, ça, sous exécution ça. Mais ça qu'a fait, ça doit fait. Parce que nous vivons pire l'exécution comme ça depuis 86 à Jodia et Clarence pour un jour d'arriver et dire jamais, jamais plus. Il y a deux bagages qui nous font. D'abord, la justice. La justice de tout le monde qui fait Jean d'Arcaillon. Et deuxièmement, nous devons réconcilier entre nous-mêmes. Donc, c'est mettre fin à règne de l'impunité et réconcilier la nation. Que politique a besoin aujourd'hui. Au côté, si on a une idée contraire avec Olette, c'est éliminer pour l'éliminer. Ça va de fait. La politique, l'art de la politique, c'est l'art de la négociation, c'est l'art de la discussion, c'est l'art du dialogue, c'est l'art du compromis, de l'entente et du vivre ensemble au final. Parce que nous toutes devons transformer la société que la vie dans l'un pour nous faire une meilleure. Bon, pour nous faire meilleure, ça va être tout le monde pour le faire. C'est pour être nous-mêmes réunis, on a toujours parlé du dialogue, de réconciliation et du loi national. C'est ça que le pays a. C'est ça qui va nous indépendance, nous, c'est l'union. L'union sacrée qui va nous indépendance. Malgré les différences que nous avons l'une avec l'autre, nous tous appelons à faire l'union, ça. Nous avons un socle d'unité pour nous quinder, pour nous solidifier chaque fois pour que toutes différences pas déstabiliser le pays. Vous comprenez? Je finis sur ça pour me dire. On a entendu toutes sortes de aux États-Unis qui viennent dans la période électorale comme conflit, comme problème qui vient entre deux partis politiques, mais le pays a continué de fonctionner, valeurs ont été là, les universités ont fonctionné, business a marché, parce que socle d'unité américaine est là. Nous-mêmes, nous avons créé un socle d'unité tout en Haïti, côté, une différence politique entre deux partis ou entre quatre partis, pas capable de aller toute société. Donc, nous-mêmes, nous avons toujours plaidé.
pour que le dialogue ça, pour que le dialogue là, des justices qui fait, des justices sociales et tout, mais pour que nous apprenions capables d'aller l'une avec l'autre, parce que c'est pas mon chef pour aller les amener. Oui, mais Clarence, j'en ai expliqué là, t'as semblé et les acteurs politiques qui plus devant la scène ici, ils n'ont pas compris ni j'en pensais là, ni jamais Doval lui-même n'était pensé là. Parce que M. Doval, c'était toujours un discours qui dit que même si nous pas d'accord sur même bagaille, nous n'avons pas même opinion sur lui, mais quand il s'agit de pays, nous devons camper sur même bord. Parce que ça n'a pas assisté là depuis quelque temps, et non seulement économie qui a des gaba, éducation, santé, et puis qu'on avait une grande question sécurité, au lieu que discours kabay, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, tu avais une bonne ou plus espoir, mais on dirait que les faits, ni les discours ni les faits, il y a plus dit nos grands seuls résumés que tout jeune ou bien tout mon abdi, c'est là qu'il y a plus de pays. Oui, il y a des gens qui pensent ça, mais pas quoi c'est cette solution. Et vous allez prendre ce premier aspect question là. Qui s'accède à ces gens qui ont un discours plus violent qui devant la scène? Eh bien, la presse responsable de tout. C'est parce que la presse, mais ceci sensation, mais ceci mettez. Écoutez, buzz. C'est buzz. Mettez déjà côté des gens à plaider pour le bail, les gens qui pibent dit à parler dans la radio. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on fait promotion pour un gars qui est illégal. Mais moi, je pense que il faut que, et moi, le deuxième élément, la question ça qui favorise que pour un discours violent que notre véhicule tout le temps, on reproche l'ambassade. Et on dit ça en face. Si l'ambassade là, on connaît que nous avons invité la caille pour parler de pays avec, pour ranger pays avec nous. C'est nous qui menacent de mettre du feu. Barrière ou barrière bas, et bien, on a toujours une société violente. Parce que notre politique là, qui n'est pas moderne, il dit, ah, ok, si vous avez 200 personnes dans la rue, elle a bloqué tel avenir, et bien, l'ambassade va l'inviter. Clarence Trudeau. Donc, on a une puissance politique. Donc, c'est pour nous casser, on a capable de dire, tradition ça, une vieille tradition haïtienne qui veut que c'est monde qui est violent, mais son général campé devant un homme d'affaires. Mal côté, mal tout comme ça, mon cher. Si j'en capable de dire, parce que je vais aller à l'élection, si j'en capable de mon coup de main, je dis, mon cher, parce que d'eau, ou pas violent. Donc, regardez, à la première violence, qu'on a ma vie, ma vie d'eau. Mais maintenant, et Jack, comment comprendre? Est-ce qu'on arrive à lire la lettre que le ministre Affaires étrangères, nous, Claude Joseph, vous avez accord diplomatique là pendant ce moment-là? Bon, ça veut dire que l'enquête sur mettre devant là, son enquête qui finit. Ça veut dire qui ça? Oh, le classe, c'est ça le dit, là. Le classe dit, même on qui fait que non. C'est non, c'est même pas l'homme, mais on dit qui c'est que tu es. Moi, je pense que, bon, précipitation dans la rédaction de ça, et qui passait du tout, gouvernement, ni image de diplomatie haïtienne, en quelque sorte. OK? Et, la diplomatie va s'exercer dans la tempérance, dans la modération, dans. Nous sommes capables de dire toute science politique là, dans le là. C'est pour ça que vous avez monté la diplomatie et nous avons l'électoralité de sortir dans le ministère des Affaires étrangères. Peut-être que c'est le ministère de la Justice qui a enquêté, peut-être que c'est le ministère de l'Intérieur, on va connaître. Mais le ministre des Affaires étrangères, pas bien pour la protéteinte des pays étrangers, des diplomates qui représentent les pays en Haïti, sous la disant monde de la responsable au crime. Maintenant, pour justice haïtienne, c'est pour justice haïtienne a fait un quête pour déterminer clairement, ouvertement, qui est ce monde, avec quoi dans l'appui, qui est ce monde, qui est ce secteur qui est responsable de meurtre inqualifiable ça, inacceptable ça, inacceptable ça. Moi-même, partie où on croit l'élément qui intéresse dans l'être là, nous avons vu avec vous, c'est parti élection plutôt, mais. Pendant qu'on fait intervention sur sa guimpo avec question et position que Claude Joseph gagne sous la mort et Monfrey Doval dans le texte LIA, on a rappelé pour le public là que Monfrey Doval mourit dans le quartier résidentiel que le président Jovenel Moïse retéa, d'après et ça nous connaît. Mais maintenant, l'enga des positions et que Claude Joseph exprimé dans la lettre là par rapport avec Moun qui t'a soi-disant derrière et meute là, assassinat là. L'en garde tout position baoud pour prince gagné par rapport aux activités
que pouvoir exécutif là les fait pour commémorer et ou encore dans mémoire pardon de et professeur Monfegui d'Orval soit dit tout clair entre nous. Bon, récupération, c'est malheureux, hein, pour dire comme ça, mais c'est ça, bon, récupération de cadavres, de dépouilles, de notre Dorval qui a fait ce fait-là, et qui, c'est honteux, c'est ignoble, c'est, on a de faire ça. Le type est mort, tout le monde connaît que ce monde qui tape dans la matinée de sa mort, hein, de sa disparition, pas de la mort, c'est son exécution, son assassinat. Il a parlé, et il était clair que dans le discours, il y a la parole qui a prêté, il était souhaité que, par exemple, pour la Constitution en refait, il faut que toute expertise que nous réunions pour faire. Pour l'élection en fait, il faut que la Constitution en refait avant. Il était clair. Et il était dit, je ne me revendique d'aucun parti politique. C'était clair, nous avons oublié dans la salle. Donc maintenant, on ne peut pas chercher à récupérer ça. Il paraît qu'on a capable de dire, c'est ce qui nous intéresse. Ce n'est pas du coup de l'assassin. C'est de récupérer le cadavre et de s'en servir politiquement. Mais moi, côté, ça ne fait pas honneur à mon cap chercher faire ça. Maintenant, la démarche des avocats de Port-au-Prince qui dit qu'il va s'enquêter par eux, montre que le même tout n'est pas quoi la justice haïtienne. Non. C'est-à-dire, par les faits qui passent là, montre qu'il y a un problème. Car elle a été vandalisée, alors que la police supposait surveiller, alors que la justice mettait ses les sous. Donc, il y a une précipitation, il y a une récupération qu'a fait, mais pensez que nous ne devons pas continuer, nous ne pas dire, à vili, pays en ce sens-là, et nous ne pas devons continuer à faire l'image de Dorval pendant que nous mourons. Et quand nous avons retourné dans Yomba Osodi, ou par exemple les États-Unis, et malgré toutes sortes de qui gagnent l'élection là et campagne qu'a fait, mais le pays continue à fonctionner et toutes les institutions yo là y a fait ça ou qu'a pu faire. Mais là nous prend Haïti, on parler de violence qui c'est notre dominante dans l'histoire politique nous et plus particulièrement pendant et ces dernières années, surtout avec situation très critique, délétère, fragile que nous vivons là, c'est normal pour taux de violence là augmenter. Vous parlez de consensus, nous pas ouais, nous sous chemin pour une jeune consensus parce que nous avons pouvoir qui a dit tête droite ça veut faire c'est lui parler. Est-ce que tout pour toute mayonnaise ça quand une jeune noire qui ça le cabaye comme explosif. Ça qui nous a dit 2004 là pas arrivé nous encore en 2020. 2020-2021, on va connaître. Mais ce même schéma n'a pas passé devant nous là. Incapacité nous pour nous chiter ensemble, pour nous parler, pour nous entendre la même caractéristique au minimum de choses pour Haïti, c'est que nous exposons le pays à intervention étrangère. On s'est mis sous tutelle ou intervention étrangère peut-être, sous forme ou sous l'autre. Moi, si ça va prendre ce peuple là, à l'intérieur, on menace d'affrontement, de guerre civile, pays a somalisé, la balkanisé, c'est-à-dire le territoire qui échappait au contrôle de la République, la police n'a pas intervenu dans ces deux quartiers, et nous sommes deux quartiers, nous sommes à quelques mètres du palais national. Donc, nous avons une situation où nous n'avons pas fait élection pour essayer de bonnes élections transparentes, sérieuses, non violentes, démocratiques. Nous nous construisons permanent. Nous incapables de chiter pour le faire, donc, leur situation comme ça, ou bien des institutions internationales qui sont capables de prendre contrôle du pays, ça, qui nous dit, bon, ça arrive déjà dans des pays, sans nous connaître ça. Ça arrive déjà dans des pays où la société nous dit, ok, puisque nous ne sommes pas capables de diriger, même pour le contrôle là, on va mettre un tutoriel là pour nous, on va mettre nos bonnes, quand on côté, on va diriger pour nous, mais nous parler pour nous, on va nous diriger, madame, là. Donc, même, on pense que c'est ça qui a menacé nous là, même si on a satellisé nous en 2004, la capacité en 2004 pour accepter le critique. Si Chita y en tenu sur le minimum, qui fait que nous avons une intervention qui dure plus de 15 ans. Et après la plaie, la dignité de l'individu, la dignité de la protection, mais c'est nous qui sommes venus. Nous sommes conférés que le vini. Moi-même, je ne ferai pas partie de ce lot-là, qui voudrait que irréductible dans leur position, indéboulonnable dans leur position, et puis on veut, pour dire, il va changer de pays. Il ne va pas changer de pays, il est content. On change de pays avec tous, et avec monde qui a volonté pour chiter à des monde, même monde qui est pire, et mieux en bagadine, qui l'adversaire là. Faut qu'on y va nous dire, ok, faisons la paix maintenant.
faisons la paix pour nous-mêmes, pour notre pays, pour nos enfants. Mais si nous pas arrivé seul, moi-même, c'est ça moi qui me l'atteigne là. Et histoire, nous récemment, dans tout ce qui s'est passé là, au cours de ces 30 dernières années, montre que nous allons faire dans la salle. Et, sous ta dernière parole, un dernier message pour la vouille, Matin, salle d'appuyer. Jacques Ougal a un message qui va paraître pour répétition, pour enquêtement, ou même un aveuglement. Je pense qu'en dehors d'un dialogue et d'un compromis politique solide, durable, qui prend tout secteur en compte, paysannerie, jeunes, les chômeurs, monde qui n'a dit non, vint des armes, gagne tout, parce que je dis à gagner son force. Le secteur des affaires, la société civile, les forces spirituelles de ce pays, les partis politiques, en dehors d'un compromis large comme ça, nous avons notre salut pour Haïti. Toute notre solution, il n'y a pas de durée, il va déboucher sur d'autres conflits toujours. Donc le dialogue, ou carrément une conférence, ou carrément une rembourse nationale, ou carrément tout s'envoler, mais un vrai dialogue. Avec des gens de bonne foi, avec des gens non violents, avec des gens, même du non violent, en façon de parler, hein, c'est le violent, on le place aussi, la vie pas violent après. Mais cette démarche-là est la seule, à mon sens, qui puisse limiter les dégâts et sauver Haïti. Et qui est acteur Kaplan? Ce sera un dialogue inclusif? C'est-à-dire pour inclusif. Il ne peut pas mettre le monde dans un dialogue. Quel dialogue on fait? Évidemment, la justice sera indépendante de ce dialogue. Si tu crois un crime de sang, un crime d'argent qui a été dans la rue, on ne peut pas dire qu'il y a un dialogue de eux-mêmes. On ne peut pas prendre un figure pour mettre l'âme sur le monde. Et sur un crime dans un crime financier? Monsieur Bouzaouda, les crimes de sang et les crimes d'argent. Ok. Attendez, mettez un mouvement 21 d'août qui sont fait là, et côté que grand puis l'organisation, groupe, mais yo dit que et pouvoir pas. Ça ne prenait pas. Moi, je pense que c'est un pas qui fait, qui réunit un peu le monde de plusieurs secteurs, qui conscient que bataille va continuer comme ça, et il y a pensé, écoutez, mais dans les négociations qui étaient possibles, moi, je pense que je dis à nous pas faire économie pour nous dire. Et puis elle va là-dedans. Nous t'ai fait ça en 1986, la constitution 87 là, on va répéter l'encore. On me dit, ma coûte pas là-dedans. On va faire ça encore, on y a là. Il va bon. Et nous avons une situation où nous avons plus d'argent sous tête. Mais je dis qu'en 1986-87, je dis, jamais rentré dans le pays à chaque jour. Yeah. Et nous connaissons deux pays à des gens qui peuvent nous amener. On ne peut pas dire que mettre les gens en dehors d'un dialogue. On va arriver à contrôler eux et utiliser les gens. Donc il faut que le dialogue soit inclusif. Il faut tout le monde, mais en tenant compte que pas de monde qui va aller échapper à la justice, monde qui fait crime de sang, monde qui fait crime d'argent, il faut que je connaisse que vous-même, vous n'êtes pas capable d'entrer dans le ça. Et soit par le négociateur président Jovel Konyala, qui s'en a dit? Parce que lui, il dit que pouvoir soutenantiel, il y a une conception bien arrêtée. Qui s'en a dit pour lui d'accrocher et puis négocier? Les mots, c'est les mots ne suffisent pas aujourd'hui. C'est les actes qui sont posés. Ouais, ça me dit le président, il a tout le monde demandé, il a regardé sur les réseaux sociaux, il est bouqué avec les promesses. Aujourd'hui, c'est des actes. Et il y a plusieurs actes que le président a posé pour nous montrer vraiment que le dialogue. Ça peut être capable de commencer par démission. Okay. C'est peut-être l'acte le plus concret qu'il est capable de faire. Il dit, mes amis, face à la situation, ça, mais pas le pays, il m'a une démission. J'ai fait du validé en 1986. Hein. Donc voilà, il faut que il y ait des gens qui acceptent de faire des sacrifices énormes pour sauver la République là. Parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas sauver un parti politique, c'est pas sauver un monde, c'est pas sauver une famille politique, c'est pas sauver un cœur, c'est sauver la République. Pour sauver la République, eh ben, le sacrifice ultime doit être fait et personne n'est trop grand pour dire que c'est bon, Dieu qui est dans le pouvoir, donc c'est bon, Dieu pour le corps, même encore, par contre, bon Dieu va manifester pour nous, dans la mort encore. Eh bien, ou même, on fait pour dire conscience que bon Dieu va ou à l'idiot, va détruire le pays là, et bien peut-être que c'est démission pour me démissionner, pour me démissionner. S'il faut que me dise, le poste de le premier ministre et le gouvernement, moi qui t'ai ouvert pour le parti politique de l'opposition, vient occuper lui, et on va te sacrifier encore qu'il peut faire. Voilà, il y a des choses à faire.
Ben, merci un peu, lui, Clarence Grenois. On te compte pas là. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Bonne journée, mon tout frère. Ben, il y fait presque. Il est pour nous ouvrir hier. On va ouvrir le billet de Jacques-Olivier. Pour couronner le journal Pacifique Matin, l'éditorialiste Jacques Ambroise donne le ton en vous présentant son billet à compter de 8h50. 10 minutes de réflexion, d'analyse face aux différents problèmes d'ordre socio-politique. Le billet de Jacques Ambroise, un rendez-vous à ne pas manquer. Le billet de Jacques Ambroise. Le titre du billet de Jacques pour ce matin, crise haïtienne, l'audace de l'espoir. Bon billet Jacques, bonne écoute à tous. Merci Moïse. Non content, nous rentrons là car aujourd'hui je dis hier pour nous capables de présenter le quatrième billet pour ce matin. Nous parlons de l'audace de l'espoir. Je voulais adresser personnellement à jeunes. Parce que grand chanté frère parent qui dit jeunesse dans pays moins en vérité ça fait la peine de me garder dans quelle situation que n'a vive. Audace c'est contraire à la peur. Et audace tout c'est des mondes qui kon pa gagnen et rien nan men yo mais qui pa peut foncer qui dit que faut qu'on al mette pied nan gloire pour nous wè sa n ka fè son volonté qui pou permettre nous fè bagay yo on lòt jan malgré que gen risque jodi a jeunesse lan avenir pas clair. Nous fait toute qualité manœuvre. Nous fait toute qualité pression sous tête nous, sous l'État, sous société. Puis on a nous droit pour nous espérer. Puis on a nous droit pour nous aller puis devant. En rien pas marché. On dirait que yo pas attendu nous. C'est lettre morte. Et les moun gen l'espoir pas yo toujours éclairé. Ça veut dire jodi a nous touye l'espoir nan jeti moun ki pipi di yo voix pour jeune qui gen 20 21 22 23 ans parce que les maîtres de demain c'est les petits d'aujourd'hui. C'est les petits audacieux que nous gagnons aujourd'hui. Ah oui. Ça veut dire, c'est des mouns qui apprennent à oser, qui apprennent à tenter et qui apprennent à permettre que yo gagnent des idées pour mettre des idées en pratique. Aïe, papa. Et le fait que situation l'école loin, li comme ça, nous avons l'école qui n'est pas adaptée à la réalité. Ah. Ça veut dire,
nous pas capable porter l'espoir pour jeunes yo. Et là encore, nous ouais, lorsque nous jeunes, yo dit que nous pas capable continuer à vivre espoir seulement. Parce que même si on dit que l'espoir fait vivre, faut ou gon côté ou rivé ou wè comment ka concrétiser ou wè comment ka vinn rendre rêve yo réel ou il y pas été seulement désir parce que en pile fois dans pays a jeune yo gen trop envie qui pas matérialisé ça vinn rendre fait que yo tourner yo gen des chimères qui a traversé yo toujours excité yo prêt pour capable manger tout le monde et c'est ça qui fait ou a parlé de les jeunes, ou a parlé, yo pas d'accord, yo pas et comment d'accord dit ça quand même, rendre compte que il y a pas de génération spontanée. Yo pas rendre compte que et faut que tu as gagné maillette là qui passer. Faut que tu as gagné un travail qui fait main en main pour permettre que pays à lui-même li compter sur yo. Et yo fait ça ou gen pour faire pour pays ya. Ça veut dire que jeune yo jounen jodi ya yo tout et bagay yo sanda ka di de moun ki la pour voir que comment jeunesse ça li capable et aller pour pi devant. Faut créer l'espoir et faut gen audace. Et là n'a gardé grand plus jeune dans situation pays aïe malgré tout qui continue qui fait musique qui écrit texte qui allait dans différentes situations pour yo capable essayer inventer l'avenir pour yo capable essayer créer conditions pour permettre que pour yo voir si yo ka transformer la vie mais grand bagaille que jeune yo nous pour qu'on arrive faire. Les situations compliquées comme ça, les situations aussi difficiles, la solidarité, c'est celle-là qui va permettre nous sortir. En solidarité pour nous connaître exactement qui ça nous veut. En solidarité pour nous dire comment nous avons créé demain. Qui ça nous a fait pour demain capable en l'autre gens. Qui ça nous a fait pour nous tous capables de gagner même chance. Et c'est ça qui fait. Sou pa ka aller l'école, Christophe te comprend ça. Parce qu'elle te dit, celui qui ne sait ni lire ni écrire ne peut pas jouir de sa liberté. Je dis à jeunes, yo, nous devons arriver pour nous faire l'État exigence, pour nous faire société à exigence, pour le ban nous, bon l'école. Pour le ban nous, l'école pour qu'il permette que nous adaptons à la réalité mondiale, je dis à. Et adapter à la réalité mondiale aujourd'hui, il avait dit, faut que yo créer conditions pour permettre que jeunes yo capable comprendre ça qui a passé, pour transformer et ça qui a passé yo. Tout autant que nous avons l'école qui bancale, Jean Lier, nous avons l'école qui banalise, nous avons l'école qui ne pas aucune importance. L'espoir n'a pas tout eu qu'un jeune yo. Nous avons l'école qui pachita sur la réalité, n'a touye l'espoir kay ti moun, kay jeune kap grandi et puis meten toujours nos situations pour génération ap goumen avec génération pou yap mande ou ki sa ou te fait, ki sa ou te réglé, ki sa ou te et ki te pour nous. Je dis ya, nous gagnons responsabilité ça pour nous capable comprendre que construire un pays, faut le faire dans la solidarité. Construire un pays, faut le faire autour de une grande vision qui est capable de mobiliser tout le monde pour avancer. D'autant plus que, mis à part de problèmes récurrents que nous gagnons chaque jour, nous-mêmes en Haïti, nous avons l'ordre gros épée Damoclès qui est sous tête nous. C'est notre environnement. C'est n'importe si la pluie qui tombe et puis catastrophe, inondation, moun mouri. Nous gen risque à un tremblement de terre. Nous pas gen souveraineté dans rien. C'est pas nous qui bay tête nous manger. S'il faut créer de grands projets pour permettre que jeunes yo participer réellement. Est-ce que nous gagnons de gros centres universitaires?
dans différentes régions en d'un pays. Par exemple, nous t'as parlé avec Clarence à l'heure qui t'a parlé de en sorte de exode et local parce que nous ouais ça cap passer dans quartier Belair moun cap pété couri mais après là où c'est jeune trois cas où c'est jeune parce que nous une population qui très jeune et dans quartier populaire yo jeune yo c'est environ 70% yo et d'autant plus que yo font plus petite yo gagne et toute qualité tracayo. Et c'est moun sa yo en pile fois qui sent l'espoir qui parle comment demain qu'a transformé. Gende lò ka di ou pas pour qui ça que a crié les gende todi que on mettait du feu dans yo. Les gagnen ou garder quartier et jeune t'a garder matin pour dire qu'est. Mais moun pa ka continuer vivre dans situation infrahumaine ça. Et yo c'est moun, yo c'est haïtien, yo gen droit vivre, yo gen droit di pour demain yo capable mieux. Et c'est pourquoi vous nous pas doit tuer l'espoir et nous penser que faut que nous gen audace, pas peur. Organiser, mander explication, coller tête nous ensemble, faire solidarité pour nous dire nous voulons vivre dans notre pays. Nous voulons vivre dans pays qui gen la paix. Nous voulons vivre dans pays côté que moyen pour qui permettre moun et moun tout bon vrai et pour yo capable servir pays yo servir société yo c'est à travers un bon système éducatif qui chita et sous réalité pays ya jeune yo nous gen droit pour exiger ça pour nous permettre que nous reconnaissons yo on l'autre gens peut-être un jour pour nous dire Haïti chéri et laisse à Haïti ya la on Haïti pour nous toutes. Mais pas chaque monde qui a bien yon Haïti dans la tête yon avec vision pa yon, mais là va yon vision commune pour permettre que le pays s'allie même l'avancer. Notez, pour plaisir pour nous d'avoir matin, hein? D'abord rendez-vous pour demain pour l'autre édition Pacifique Matin qui a plus dynamique que ça yon dit. Vive Haïti, à venir. Bonjour tout le monde. Soir, j'écoute une seule fréquence. 101.5 Pacifique FM. Red branché. On a tourné tout à l'heure. Inibok tout côté. Nous envahissons dans toute la coin pays. Inibok ça c'est les mamans. Inibok tout côté. Dans la fête, si cap ça c'est les papas. Transaction mieux interposé. Les marchés avec si 4 ça c'est gros causé. Qu'est plus que 300 agents autorisés. L'aime dit tout côté nous pas vite bêtisé. ATM est l'ouvri 24 sur 24. Vache, vache. Tout causé m'aigle avec yon gren si 4. Si à l'ou coupé pour juif, c'est même qu'est content. Depuis ou pas, c'est mes abonnements avant l'air. C'est même qu'est content. Quand tu es en pichette gratis pendant 7 jours. C'est même qu'est content. Canal plus, canal plus, yeah. C'est même qu'est content. Ça va t'en pour tout abonner. C'est même qu'est content. Quand j'ai payé avant l'air. Et puis gardé Bibli chaîne pendant 7 jours grâce à Semaine qu'est content. Semaine qu'est content disponible dans tout boutique à l'institut Canal plus. Information sur adresse numéro Port-au-Prince la province, il est 29-41-41 ou sur aller sur www.canalplus-haïti.com. Moi pas la toilette, mais c'est papier pour me siye mo. Ma déglorie, papier glory. Hey, moi fin manger, mais c'est papier pour me siye bouche moi. Ma déglorie, napkin glory. Mais sous mes sous mon papier. Yon mou papye hygienik, papye glori. Papye de kalite, papye la. Yon mou papye mou sante ou, papye glori. Hey, ou reme hygien, ou reme sante ou. Vaka pa servi, ap glori. Li nan tout boutik, nan tout map machin. Na vel ya pache, ap glori. Me oui, nou menm ki fom, ki sensib pou fami. Nou vaka pa servi a glori. Papye toalet la, nan kin pou tabla. Se sante kay la, glori se nan gwen moun nan fe hygien. Li fe mi fitou, li ba yon no. Siye, wop, joy, glas, lit, tout.
Tony, Paul, servir à papier glory, produit local qui a bail travail. Et puis qui gros, qui petit, qui pour toute poche, toute commande, relé dans 28 11 04 44 28 11 04 45. Et dans toute boutique, dans toute marché, la veille y a pas cher, à glory. Électricité son bagage courant mais boy c'est li rare. Gè deux jours même lumière ou pas ouais, c'est pas rien non. Tu bignes au grand monde. Yo fait ça à hôpital. Alors nous-mêmes les usagers du blackout agien grand monde, al pont Delco Kubota nan Automeka sur route aéroport, nan n'importe zone côté gon Delco Kubota, blackout yo pas ka réuni deux hommes bon poteau électrique. Blackout avec lumière c'est deux bagages qui pas ka mêlé. Si yo na dan vle mêlé, démêlé vite al pont Delco Kubota nan Automeka, souvle ouais côté on blackout a chata. Lumon Kubota. Automeka, 22 route de l'aéroport, 29 41 25 44, 29 41 25 45. Le quotidien Le National est à la pointe de la technologie. Tapez dès maintenant www.lenational.org et lisez le journal sur votre smartphone ou votre ordi tout en écoutant la Radio Pacifique sur le 101.5 FM. Si vous désirez lire le journal au complet, sélectionnez le journal. Et ce n'est pas tout. Le National dispose d'une archive au bas de la dernière page. Ici, vous pourrez faire le tri du journal soit par numéro ou par date. Le quotidien Le National, plus près de vous, à travers la technologie. Pour ajouter une touche spéciale à votre décor, jardin, bureau ou intérieur, visitez la boutique Bohème. Bohème vous transportera dans un univers où se côtoient des pièces uniques de style industriel, moderne, oriental, résolument tendance. Conseil déco ou commande personnalisée, le personnel qualifié saura vous guider dans vos choix. Situé à l'angle des rues Chavannes et Clairvaux à Pétionville, Bohème sur Facebook et Instagram à Bohème Boutique HT. Cadeaux, accessoires, mobilier, Bohème, un peu de tout, de partout. Glamour, fashion, tendance and vintage, Bella Boutique a la baguette magique nécessaire pour vous transformer en ce que vous voulez. Trouvez la tenue idéale à Bella Boutique qui vous laisse un large choix de marques pour un mode qui vous convient et qui saura répondre à toutes vos envies. Passez à la rue Panaméricaine, local Harry's Restaurant, suite 111 ou appelez au 42 64 03 03. Choisissez Bella Boutique pour se faire chic et se sentir unique. Savon crème lotion Clarisse, c'est magique. Wow. Yo fait toute ta soupe au moins disparaître. Clarisse. Ou bien nettoyer peau, sa vie à savon. Clarisse. Ou fait peau briller, sa vie à lotion. Clarisse. Ou protéger peau, pour sa vie à crème. Clarisse. Se vie à belle deux fois par jour, bonjour résultat. Produit Clarisse. Pour qu'à prendre confiance, pour sa vie à produit. Clarisse. Non, Clarisse, le choix est clair. Les produits Clarisse sont enfin disponibles en Haïti. Protéger l'environnement, c'est remettre tête nous, nous toutes concernées. Nous devons tous répondre à ce cri d'alarme qui fait appel à notre amour propre, à notre responsabilité de protéger notre espace. Cam Stéphane Poulard, l'ami de toutes les générations, vous invite à écouter. Environnement, Pacifique. Comment percevoir l'urgence de protéger l'environnement? Chaque dimanche, 3h, 4h de l'après-midi. Une occasion d'échange pour sauver Haïti sur le 101.7 FM Radio Pacifique. Pour référence BRH pour jeudi 3 septembre 2020, c'est 113 gouttes 62 pour 1 dollar américain. N'a pas rappelé tout le monde. Taux référence BRH calculé et puis publié pour journée 1, c'est résultat transaction acheté dollar qui fait dans la veille sous marché change là. Pas oublier, taux référence là disponible tout le temps sous site BRH là, www.brh.ht, sous compte Twitter BRH, BRH Haïti, ou soit au carré les centres contact BRH là gratis dans 80D 74. 113 gouttes 62 pour 1 dollar américain.